Allô? Il y a du monde? Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Bien. Bien le bonjour à tous. Je vois que vous impatientez. Ah là là là, ils sont pas patients sur ce chat. Aïe aïe aïe. Bah, j'ai essayé de régler un peu l'image, hein, parce que la dernière fois c'était beaucoup trop petit. Je sais pas si c'est un poil mieux, mais j'ai pas l'impression. Faudra me dire. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est même pas bien centré, cette connerie. Ouais, ça me semble mieux là. Faudra me dire, hein, vraiment. Attends, santé qui me dit ça commence quand? C'est démarré là, monsieur. Oui. Ah là, c'est démarré de ce que je vois, donc c'est bon. Il me dit qu'il le voit pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc c'est bon là, tu le vois. Oh, okay. Ah, tu m'as fait peur, monsieur Santé, là-haut. Pas me faire des prières comme ça. Bah du coup, je sais pas si tu as entendu, mais faudra me dire si au niveau de l'image, c'est bien étiré en haut et en bas. Hein. Parce que le dernier coup, j'ai vu que ça prenait pas tout l'écran. Hein. Bah, là, je vois que ça prend pas tout l'écran d'ailleurs. Je peux encore un peu l'étirer vers là. Hein. Comme ça, voilà. Là, ce serait bon. Il y aura forcément des bandes sur les côtés, ça malheureusement je pourrais pas le faire, sinon ce sera étiré, ce sera dégueulasse. Mais au moins que ce soit sur le haut et le bas, sur tout ça. Quel blagueur se sentait. Ah ouais. C'est pas seulement un viewer ton ami, c'est aussi un comique. J'ai l'impression que c'est bon. C'est du 4 tiers, donc il y a forcément. Oui, les pas. Ou alors très peu. Parce que là, je pense que je pourrais pas faire mieux. Là, normalement, enfin, chez moi, ça prend toute la largeur. La hauteur. Attends, je vais essayer de voir le retour. Ça va flinguer le truc. Oh là là. L'erreur. Ouais non, j'arrive même pas à voir le retour, tant pis. On fera comme ça. Tant pis, tant pis. Je pense qu'on voit le haut et le bas, ok. Bon, parfait. Ok. Bon. Eh ben on va peut-être démarrer, quelle heure il est? Ah oui, il est 14. Ce serait bien. Commençons. Alors, où est-ce qu'on valide? Je ne sais plus. Ah, c'est avec la gâchette, mais what? Trop bizarre. Parce que oui, du coup, grâce à Monsieur Django, hein, j'ai regardé pour convertir oui, c'est ça, la manette en clavier. Pour que la manette elle soit reconnue en fait. Donc là, j'ai la manette PS4. Ça va aller beaucoup mieux que le clavier. Un poil le son du jeu, il est un peu fort par rapport à ta voix. Ouais, ça c'est à chaque fois. Hein. Alors attends, hop. On va refaire ça tout de suite.
Où est-ce que j'ai mis la pause? La pause, elle est où? Là. Est-ce que c'était là-dedans? Je sais plus. Ben non, ça c'est les sons. Alors, faut que je baisse ici directement. Voilà. On va mettre ça comme ça. Merde. Voilà. Bon, alors je vais essayer de retrouver les cages là-dedans. Il me semble que je les avais pas eu celle-là. Ça a l'air pas mal là, ok. Salut Solaris, tu devrais reprendre du début et faire rédemption à la place. Non, je vais pas reprendre du début, non. On a déjà fait pas mal. Mais le rédemption, je le referai, hein, c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai fait celui-là que je vais pas refaire l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est quoi Rédemption? Bah du coup c'est un fan qui a repris le jeu Rayman 1 et puis il a amélioré en fait ce jeu. Il a refait plein de choses. Il a rajouté des boss, il a modifié les niveaux. Je crois qu'il a rajouté des ennemis. Enfin, franchement il a fait un travail de fou dessus. Je crois qu'il a même modifié l'OST du jeu. Il avait rajouté des musiques et tout. Enfin, franchement, il a fait un travail de malade dessus. Donc, je pense que je le referai. Enfin, je le ferai en live. Parce que je l'ai pas fait. J'ai simplement regardé quelques vidéos dessus. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, ce sera la découverte. Est-ce qu'il y avait une cage ici ? Non. Salut Bacossin. La cage. Ah. Alors, est-ce qu'elle est apparue ici, la cage ? Oh ! Foiré. Ah oui, il y a deux nouveaux mondes, carrément. Ah ouais, ça je m'en rappelle pas. Je sais que le combat contre Mr. Dark, il a rallongé, mais vraiment de fou. Hein. Il a rajouté au moins deux ou trois phases, c'est pas plus. Les deux mondes, tu vois, je savais pas. Ou alors je m'en rappelle pas. Est-ce que j'ai déjà fait le 100% de ce Rayman? Oui, oui, je l'ai déjà fait. J'ai fait plusieurs versions de ce Rayman. Là, je l'avais fait sur PS1, sur PC. Je l'avais fait sur DS, je crois, à l'époque. Je crois qu'il l'avait refait sur 3DS. Où là, t'avais carrément l'appareil photo de la 3DS qui servait pour les checkpoints. Ça donnait des trucs n'importe quoi. Enfin, bref. Et je sais plus s'il y avait encore une autre version. Comme ça, on l'aura vraiment torché, ce jeu. Par contre, j'ai fait plein de versions, mais je me rappelle pas de toutes les cages. Hein, vraiment, je sais qu'il y a des trucs fourbes, mais après, je me rappelle pas de tout, vraiment. Il y a un niveau qui m'a bien marqué, c'est vers la fin, quand t'es dans le noir et que il faut que tu t'éclaires avec ton poing. Celui-là m'a vraiment marqué. Parce que tu ne vois absolument rien. Merde. Et après, tu as aussi le coup du poisson quand tu es chez Joe. Celui-là, il est horrible. Le poisson, il te fait tellement chier que c'est une galère à avancer. Attends. 100% de Rayman, c'est le NI%, c'est pareil. Ouais. C'est tout pareil. Hmm.
Le jour où je me lance dans le speedrun de ce jeu, je mets la catégorie NI%. Ah, t'as de quoi faire, hein. Oh non, il nous en manque encore une. Mais non. Bah, elle est où? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Mince. Mince, mince, mince. Ah tiens, Bakosin, tu me demandais si moi je l'ai fait le 100% de ce jeu, mais est-ce que toi tu l'avais fait? Que ce soit à l'époque ou il y a peu de temps. Ah, alors j'ai peut-être une idée pour la cage. Pour la cage restante. Ah bah oui, mais je suis con, mais oui, elle est là. Elle est là, la cage. Je l'ai trouvé, ça y est. Merde, c'est pas baissé. Alors normalement, ça doit être vers ici. Merde! Donc peut-être qu'avec la prune, tout simplement... est-ce que je peux l'avoir? Oui, je peux l'avoir, ok. Parfait, voilà, on a la cage. Quel talent! Et là, est-ce qu'il me la comptabilise si je fais ça comme ça? Oui! Aïe! On y est, parfait. Alors, par contre, ce qui me fait peur, c'est pour la suite. Vaut mieux récupérer tous les pouvoirs avant d'aller chercher les cages. Ouais, bah, c'est surtout à partir du monde de la musique, je crois, où il faut vraiment avoir tous les pouvoirs. Ouais, je pense que ouais, je vais quand même t'écouter, mais ouais. Parce que sinon, je pense que je vais t'embêter un moment, clairement. Alors, pas du tout. Je suis systématiquement arrivé dans les derniers niveaux du monde de la peinture sans jamais le finir. Ah, le niveau de la peinture, ouais, ils sont raides ceux-là. Hein. Ils sont très très durs. Merde. Alors, merde. Ah oui, ok, j'avance comme ça, d'accord. Oh là. Oh, eux, ils étaient horribles aussi. What? Ok. Ah. Ah, tu viens de télécharger Rayman Redemption Santé. Ah, t'es motivé. Tu es motivé. Mais ouais, vraiment, faudra que je le fasse en live celui-là. Ça m'intrigue tellement. Alors, la version GOG ne reconnaît pas les manettes de base. Bah, dans ce qu'il disait dans le wiki, merde, il disait que oui, mais bah, manette Xbox, il me la reconnaît pas, et manette PS4 non plus. Donc, très étrange. Très, très étrange. Après, voilà, j'ai juste téléchargé un tout petit programme qui te... Où il faut que tu mettes en fait les touches que tu veux qui remplacent. Et puis après, let's go quoi. Et ça a l'air de vraiment bien marcher. Hein. Et c'est tout de même plus agréable de jouer à Rayman à la manette que au clavier. Oh. Je me demande comment on faisait pour jouer au clavier, hein, sérieux.
Allez, meurs. Putain. Allez, voyons. Télécharger, ça va. Merde. Putain. Télécharger, ça va. On verra si j'y joue. Ça, c'est sûr que c'est encore un autre problème. Ah, le fameux passage qui a bien fait hurler Hooper. Je crois que je peux pas le faire pour l'instant. Il faut que j'ai le pouvoir de courir. Donc, pour l'instant, c'est Zobby la mouche. Merde. Ah, c'était à côté. Et donc ouais, dans la version là, sur PC, hein, je crois que j'en avais parlé à Santé, mais pas au reste du chat. En fait, sur PC, il y avait une seule musique par niveau. Et ça, ils l'ont réglé dans la version PS1, où là, tu as plusieurs musiques pour le niveau. Et ça, il y a un patch qui existe, justement, permettant... Oula. Non ! À la version PC d'avoir plusieurs musiques pour le même niveau quoi. On va reprendre ça. Hop. Parce que là il va nous falloir des vies. Hein. Tu l'as fait au clavier Solaris. Ah la vache. Bon après. Comme t'as vu hein, au début, je le faisais aussi au clavier, ça va, mais c'est quand même plus agréable à la manette. Hein. Largement. Gamin sur PC, je m'étais arrêté aux montagnes bleues, il me semble. J'avais déjà bouffé mes continues, je suppose, et j'avais plus avancé, mais bref, j'étais au clavier. Après, je pense qu'on a tous fait ça au clavier, on n'avait pas le choix. Pas trop le choix. Oh l'enfoiré! Ah je l'ai pas vu. Bon ça sert à rien que j'y retourne puisque la vie elle va pas repopper. Ah bah si, peut-être qu'il y a une cage. Oh là, je ne sais plus. Oh. Faut dire que au début des jeux PC, tout se faisait au clavier. Hein. J'en connais très peu qui jouent à la manette au moment-là. Hein. Quand tu regardes Tomb Raider. Merde, putain, je vais me faire avoir. Mais non. Le premier Tomb Raider que j'avais sur PC, je le faisais aussi au clavier, quoi. Au clavier, quoi. Bon, est-ce qu'on va réussir à le faire ce passage ou bien quand même pas rebouffer un continu. Eh oui, il y avait une cage, et ben j'ai bien fait d'insister. J'ai très bien fait d'insister. Alors je me rends pas compte de l'horreur que ça doit être, je l'avais sur PS1. Ah ouais, sur PS1 ils avaient déjà corrigé pas mal de choses en plus. Hein. Comme dit, ils ont rajouté des choses pour l'OST. Peut-être qu'au niveau du gameplay ils ont amélioré aussi. Enfin ça je sais pas, faudrait vérifier. Mais il me semble. Hein. Ils avaient quand même pas mal retravaillé des choses là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y avait quelque chose en dessous? Dans le doute, on va dire que non. Et ça me fait peur.
Ça me fait peur. Ah, je ne sais plus. Pas impossible que j'oublie des choses. Ah oui, lui. Elle n'empêche, quand tu penses qu'à la base, ils voulaient développer ça sur le support CD de la Super Nintendo, tu te demandes comment ils auraient réussi à rendre le jeu aussi beau. Derrière, il y avait le prototype qui avait fuité il y a peu de temps. Enfin, prototype. Un seul niveau, je crois. Il y avait un seul niveau, oui. C'est vrai qu'on était loin de ce rendu-là. Hein. Je sais pas comment ils auraient fait pour améliorer tout ça. Hein. Je pense que clairement, il n'aurait pas eu le même impact qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a des trucs qui ont popé, c'est les petits ennemis en fait. Oh, Pharos. Est-ce qu'il y a des choses qui ont popé ici, hein? Pas l'impression. Pas l'impression. Ah ouais, la version Jaguar, c'est vrai qu'il était sorti sur Jaguar. Merde. Voilà, je regarde pas et je fais n'importe. Mais ouais, c'est vrai qu'il était sur Jaguar. Très bonne question, ça. Bah, est-ce qu'il est pareil? Et surtout, est-ce qu'il est aussi fluide? Parce que Jaguar, il me semble que c'était... Merde. Que c'était quand même pas folichon, hein, les jeux dessus. Donc ouais, très bonne question. Si quelqu'un a la réponse, j'avoue que ça m'intrigue. Encore faut-il trouver quelqu'un qui est la Jaguar et surtout qui est joué. Et bah ça promet. Non. Oh là 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 là. Est-ce qu'on reprend du début? Triumph Project, ça me dit rien du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Attends, allez. Alors je viens de regarder un comparatif vidéo. Déjà pas de cinématique. Ah ouais, il n'y a pas de cinématique. Ah ouais, d'accord. Donc déjà ça part très mal quand même. Ça part très très mal. Ça aussi, c'était tellement tellement magnifique à voir sur PS1. Bah, même sur PC, même s'il y en a beaucoup moins. Enfin, quoique, je sais pas. Je sais pas s'il y en a moins que sur PS1, il me semble pas. Mais... Ah ouais, c'est triste, ça. C'est bon. Ça vient de sortir. Ah ouais, d'accord. Pas du tout au courant. C'est le jeu des créateurs d'Octopath Traveler.
Ah bah déjà j'ai pas fait le jeu là donc c'est compliqué. Parfait. Alors c'est pareil, je crois que les upgrades du point, il y en a que 3. Le point doré là, il me semble qu'il y en a que 3 à chaque fois. Merde. Oh mais il a couru trop vite. Foiros. Alors la démo. Ah c'est la démo qui est sortie, d'accord. Ok, ok. Alors visuellement, c'est pas vrai. Ça va, c'est assez proche. Par contre, la musique, c'est vraiment en dessous. Ah. Ouais. Sauf que les musiques de Rayman, elles sont quand même énormes. Donc, si elles sont en dessous, ça va pas le faire. Ah, monsieur Rémi Gazet, il avait vraiment fait un travail de fou hein, sur cette OST. Je crois qu'il est décédé en 2019, si je me trompe pas d'ailleurs, ce pauvre Rémi. À la suite d'un cancer. Ah, salut Benjamin! Le boss. Merde, putain, je lis le chat et à chaque fois je me fais avoir. Mais comment je suis censé éviter cette boule là, concrètement? Ok, bon. Voilà, il part l'animal, il part. Ok. Alors les musiques d'Octopath Traveler, c'est difficile de faire mieux. J'ai écouté la BO de Triumph Project, c'est pas non plus horrible. Ah, c'est pareil, l'OSC, je connais pas, donc je peux pas dire. Et si c'est du style RPG, c'est normal du coup. Bon. Étrange, ça a pas popé. Ouais, bah là j'en ai loupé. J'en ai loupé deux. De toute façon, il y en a une déjà où je vois où elle est. Par contre, la deuxième... C'est une bonne question. Merde! Oh non! Mais non! Putain, me dis pas qu'il a pas sauvegardé! J'ai beau être matinal, j'ai mal. J'ai glissé, chef. Putain, faut que je refasse. Mais c'est pas possible. Putain, j'aurais dû le faire au clavier et pas à la manette là. Putain, je me suis trompé de touche. Putain, c'est pas vrai. Quel handicapé quoi. Bon, après maintenant, je sais. Et puis... En plus, pourquoi c'est sur la gâchette? J'ai pas mis ça là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Non mais c'est un bug là. Putain, il faut que je prenne son enregistrement parce que c'est pareil, le nombre de fois où je pourrais l'utiliser. Attendez, c'est un bug là. Bon, c'est quand tu veux pour apparaître. Voilà. Bon, on va speedrunner ça. Il n'y a plus le temps. Aïe 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 aïe. Ça me fait penser, tiens, Hooper avec son bug d'hier là sur la PS5. Non mais. Le jeu PS4 sur la PS5 qui bug tout le temps. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Mais il a quand même réussi à le finir l'animal, hein, mine de rien. Ça en est bien sorti. Ah bah elle est là, voilà. Parfait. What? Ah pas mal le petit bug là. Attendez, c'est un bug là. Ouais, ouais, il y a eu un crash, quand même plusieurs. Plusieurs crashs. Merde! Je sais plus ce qu'il faisait, il courait ou. Enfin, je sais plus exactement l'action qu'il faisait et d'un coup, ça. Ça lui a mis une erreur. Et il a dû relancer le jeu plusieurs fois. Donc, forcément, il était bien content. Hein. Après, heureusement, il avait la save state. Même si c'est pas vraiment une safe state, mais sauvegarde rapide, quoi. Allez, mais dépêche-toi. Ok. Et ici, en fait, il y a même pas de cache, c'est trop bizarre. À quoi sert cet endroit ? Pas regagner un petit peu de vie. Ouais. Ah bah elle est là. Putain. Donc ça se trouve tout à l'heure je l'ai fait popper et je l'ai pas récupéré. Bon. Ah, oui, 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 oui. Alors toi. Ok. Eh ben, on les a toutes. Enfin, il a juste manqué celle du haut que je peux pas avoir maintenant à cause du pouvoir, mais on les a toutes pour l'instant. Allez. Allez, on peut aller à la fin tranquillou. Sans se poser la question si on en a oublié. Comme quoi, on a quand même bien fait de recommencer. Foiré! Ah tiens, ceux qui n'étaient pas là vendredi soir, j'avais fait donc Hercule en live. Et bah, j'ai eu le droit à une petite réclame hein, par rapport à la musique, zéro en héros. Donc incompréhensible, mais bon, c'est du Disney, hein, voilà. Donc là, j'ai recoupé les passages, enfin je les ai même pas coupés, j'ai flouté l'image et j'ai coupé l'audio. Pour pas qu'il me fasse chier. Donc là, ça devrait peut-être apparaître dans la journée, je sais pas. J'ai fait le nécessaire. Et comme quoi, ça peut aller vraiment très très vite. Hein. Pour une musique comme ça d'il y a 20 ans, on vient te saouler quoi.
Donc merci YouTube et merci Disney. Allez, va-t'en. Ouais, de zéro en héros. Juste à cause de ça. Hein. Après, merde, oh, il me tue direct, d'accord. Après, pendant le live, il m'avait carrément coupé le... Bah, il m'avait pas coupé le live, mais ils ont fait une coupure, quoi. Ils ont mis comme quoi j'avais pas le droit de streamer ça. Donc, une fois que la musique allait passer, ils m'ont remis en ligne le live. Donc on a pu continuer. Et dès qu'il y avait cette musique, ben, ils me le coupaient, quoi. Et là, quand la rediff était dispo, ils m'ont tout de suite dit qu'il fallait que je fasse le nécessaire pour ça. Parce que sinon, la vidéo, elle est bloquée de partout. C'est même pas genre, ils te mettent la vidéo et puis ils te coupent le son ou démonétisent, pardon. C'est que là, il te coupe carrément la vidéo, quoi. Il te la bloque. Donc là, j'ai fait le nécessaire et j'espère que ça va passer. Et je trouve ça ridicule pour une musique comme ça. Donc j'imagine pas les gens comme le JDG. Laisse tomber, quoi. Dès que tu fais une vidéo, tu dois avoir 36 réclames. En fait, tu fais que ça, tu fais ta vidéo et tu peux être direct aller dans le YouTube Creator pour couper les passages là, quoi. Parce qu'ils font que ça. Donc, ouais, YouTube et le gaming, c'est pas simple, hein. Vraiment. Mais bon, après, c'est partout pareil, hein. Il n'y a pas de mieux ou de pire. Je pense. Mmh, 70 ans après la mort de l'auteur. Ouais, ouais. Dès qu'il y a du pognon, de toute façon. Mais quoi? Mais j'étais loin! Ouais, Disney, bah ouais, Disney. Tu dis juste Disney, t'as déjà compris, quoi. Mais bon. Oh, merde! C'est con, parce que je voulais vraiment refaire le jeu Hercule. Et j'avais oublié que, bah, forcément, dans le jeu Hercule, ils avaient mis la blinde cinématique du dessin animé. Je pensais même plus à ça. Et quand on est arrivé à la fin, je me suis dit, bah, c'est bon. C'est bon, ils vont me laisser tranquille en fait. Mais non, non. Juste à cause de héros en zéro qui apparaît quand tu es sur le menu, l'écran titre du jeu, et ben il y a ça qui apparaît. C'est juste à cause de ça. Sinon, la vidéo, il n'y aurait rien eu. C'est dingue quand même. Alors que le restant du jeu, franchement, il doit y avoir au moins facile 6 scènes du dessin animé. Et ils m'ont rien dit. Donc je trouve ça hallucinant. Il avait déjà fait une FAQ JDG. Il ne compte pas du tout sur les revenus YouTube. Même si c'est un strike au bout de 5 minutes. Maintenant c'est strike. Ah ouais, d'accord. Après, il avait dit aussi qu'il arrivait quand même à se faire un petit salaire, hein, sur YouTube. Je crois que c'était 3000 euros, je crois. Moi, je trouve pas ça non plus énorme, hein, quand tu penses au nombre de vidéos qu'il fait et puis surtout au travail qu'il fait. C'est pas énorme. Hein. Je suis sûr qu'il pourrait faire beaucoup plus, mais à cause des réclames et tout, bah, il peut pas. Il ne peut pas. De toute façon, je sais plus si c'était Hooper qui en parlait. Si, je crois que c'est lui.
Ce qu'il disait que lui, il fait ça bah, surtout pour le loisir. Mais vivre de YouTube, c'est très compliqué, hein. Surtout avec leur droit d'auteur. Mais vas-y! Avec les droits d'auteur, et puis bah, si tu fais pas de préparation pour le jeu, enfin, pour les jeux, c'est mort, hein. C'est mort. Ouais, 3000 euros par mois, ouais. Alors que j'imagine pas le nombre d'heures où il passe à faire du montage et tout. Moi, je trouve pas ça énorme, hein, franchement. Parce que quand tu regardes sur le bazar du grenier, il y a quand même quasiment tous les jours une vidéo. Quasiment. Et toutes les. Enfin, il me semble que quasiment toutes les vidéos, elles ont du montage. Donc, je laisse imaginer le nombre d'heures là-dessus. Hein. C'est pas genre il fait ça en 5 minutes et puis merci, au revoir. Hein. Le mec, c'est pas Gamer Release qui lance son petit live à l'arrache et qui dit bonjour à tous et puis qui se casse une fois qu'il a fini le jeu. Hein. Non, non. Lui, il fait du montage et tout. Hein. Merde! Non! Laisse-moi tranquille! Oh là là! Ah non, pas Hooper, c'est le JDG qui se fait 3000 euros sur YouTube. Hooper, je sais pas combien il doit se faire, mais il doit pas se faire des masses, hein, comme le pensent les gens. Hein. Après lui là, il a encore les dons, c'est encore autre chose, mais lui il a aussi le site et tout à payer derrière, donc mais pourquoi j'arrive plus à passer cet endroit là, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais de mal ou de moins que tout à l'heure? Parce que faut pas croire, mais faire un site, c'est enfin, entretenir un site plutôt, c'est très très coûteux, hein. T'as l'hébergement, t'as le webmaster. Les mises à jour, l'entretien. Donc, ouais, ça coûte des sous, hein, faut pas croire. Et puis le nom de domaine, surtout. Et le référencement, peut-être aussi. Si c'est le webmaster qui s'en charge. Donc, ouais, ça coûte des sous. J'allais m'exclamer quel escroc. Le pauvre, il a rien fait, il va se faire engueuler. Faut pas oublier que tu donnes à YouTube à l'État. Ah oui, c'est vrai que t'as ça aussi, oui. Eh oui. C'est vrai. Merde. Merde. C'est vrai que tu en donnes encore. Donc, voilà. À l'époque de putain 5 ans, je crois qu'il disait que ça lui rapportait 300 ou 400 euros. Ah ouais. Donc, il achète quelques jeux et puis voilà, quoi. Mais non! Ah oui, d'accord, donc c'est là la limite. Ok. Donc, ouais, c'est pas énorme. Hein. Tu peux carrément pas vivre avec ça. Hein. Après, voilà, il le sait très bien qu'il peut pas vivre avec ça, il l'a dit. Hein. Sinon, il changerait sa manière de faire. Le Marseillou, il est payé. Je pensais qu'il était simplement fourni en cacahuètes dans sa cave. Ah oui, c'est vrai. Les cacahuètes. Ah, mais pas trop de cacahuètes, hein.
faudrait pas qu'il soit trop nourri non plus l'animal. Coûte cher les cacahuètes. Surtout nourri en coup de fouet. Cacahuète, c'est quand il a bien bossé seulement. Voilà. Ça coûte combien un nom de domaine? Bah ça dépend de ce que tu prends. Déjà ça dépend de l'extension que tu prends. Si tu prends un .com.fr ou si tu prends encore une extension sur mesure, genre .loul par exemple, ça c'est une extension sur mesure, là ça peut coûter plus cher. Mais normalement le plus bas prix, on va dire que c'est une dizaine d'euros quoi. Tu payes une ça dans la une fois dans l'année et puis voilà quoi. Après tout dépend s'il a pris d'autres extensions aussi, là ça se rajoute. Merde, par exemple si tu mets .com et qu'il fait une redirection vers le .fr, là il faut qu'il paye les deux quoi. Et t'as des noms de domaine qui peuvent coûter très très cher hein. Ça peut monter très très haut. Je sais que j'en ai déjà vu à 15 000 euros. Donc, tu payes 15 000 euros, tu pleures déjà. Bah oui, le nom de domaine c'est accessible, c'est pas parce qu'il coûte le plus cher, hein. Le plus cher c'est l'hébergement de toute façon. Puisque c'est là où tu stockes ton site, là où tu mets toutes les sauvegardes quoi, donc effectivement c'est le plus cher. Sauf que t'as l'entretien comme dit, tu as les sauvegardes peut-être à faire, t'as pas mal de choses hein, faut pas croire que ça coûte 10 balles et puis voilà quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'il a mis les dons, hein. C'est pour entretenir le site qu'on utilise tous les jours, plus ou moins. Parce que ça coûte des sous et que quand chacun s'inscrit, et bah ça rajoute de l'espace pris sur le site. Et que forcément, bah, il faut pouvoir gérer tout ça. Quand vous créez un topic avec des images et tout, ça prend de la place. Enfin, les images, du coup, elles sont hébergées ailleurs, heureusement. Parce que là, pareil, tu reprendrais encore plus de place. Et donc là, le prix, il serait en train de pleurer actuellement, je pense. Parce que vu le nombre de topics, de vidéos et tout qu'il y a sur le site, voilà. Et ça, c'est le fait de mettre les images et les vidéos ailleurs, c'est pour pallier au problème de stockage, justement. Et ce qui va changer aussi sur le prix de l'hébergement, c'est si tu prends un serveur en disque dur normal ou si tu prends un SSD, ça aussi. Et puis la caractéristique de la machine, si tu prends une bête de course ou si tu prends un truc tout simple, là aussi. Bref, tout ça pour dire que ça coûte de l'argent tout ça. Ah, coucou Gwendoline, comment il s'en sort? Eh ben, on galère un peu. On galère. Surtout sur ce passage de la muerte, là, je comprends pas. Mais quoi? Mais j'y étais. Mais. Je comprends pas pourquoi j'ai réussi tout à l'heure et maintenant je n'y arrive plus. $15 000, ouais, mais bah, qu'est-ce qui fait une différence de prix? Bah ça dépend du nom de domaine que tu veux, hein. C'est si le nom de domaine il est prisé, ou alors t'as aussi des gens qui achètent les noms de domaine et qui les revendent une blinde, enfin, tout dépend de tout ça, hein. Et de l'extension, comme dit. Hein. D'ailleurs, tout ça, tu peux le voir, si tu veux faire un test, tu peux aller sur un site comme OVH ou Yonos. Tu peux regarder la disponibilité des noms de domaine, des tarifs.
tu peux avoir des domaines très accessibles comme tu peux en avoir qui coûtent une blinde. Donc, et tout dépend de ce que tu prends, quoi. Quand je fais un don, c'est pas pour le, c'est pour le site, pardon, pas pour les lives. Bah oui, ça, il y en a qui ont du mal à comprendre. Hein. Vraiment. Hein. Parce qu'un site, tu fais pas ça gratuitement. Ou alors, tu fais sur un truc style blog, quoi. Où là, vraiment, t'as rien à payer, et puis voilà. Et là, c'est quand même quelque chose de perso. Il a tout fait de lui-même. Enfin, c'est le Martialou qui lui a fait, mais il est parti de rien, le Martialou. Hein. Il a fait ce que vous voyez, le front-end, et puis derrière, toutes les... Merde ! Tous les scripts et tout pour le site. Et ça prend du temps, hein, ça mine de rien. Salut, 180. Ah oui, le nuage. Eh oui. Eh oui, mais qu'il est con. Ah, merci, santé. Putain. J'ai perdu 15 000 vies à cause de ça. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Heureusement que tu suis, santé, c'est très bien. Qu'est-ce que ta vieille saucisse a râlé? Vieille saucisse, alors celle-là elle est pas mal. Bon. Mais arrête de me faire ça, gâchette de merde. Oui, je veux sauvegarder. Ouais, le site du Hooper, ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Il est stylé. Bah oui, oui, franchement, il est super chouette. Hein. Il a fait du bon boulot, le Martialou. Hein. Après, c'est sûr, il y a des bugs, mais c'est normal. Comme dit, le site, il date de 2000... Je sais plus, 2011? Merde. 2011. Donc, quand tu fais un site, il faut savoir que ça évolue très très vite. Hein. Vraiment, tu fais un truc, tu peux être sûr que limite 6 mois après, ton site il est déjà dépassé parce qu'il y a des trucs qui ont changé. Hein. Donc là, forcément, il l'a fait en 2011. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui ont changé depuis. Hein. Là, il y a plein de scripts et de requêtes et autres qui sont plus valides ou fiables. Et c'est pour ça qu'il faudrait le remettre à jour. Hein. Mais le remettre à jour, c'est pas simple. Parce que tu vas toucher quelque chose, tu peux être sûr que tu auras un autre problème. Hein, clairement. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il a pas spécialement le temps ou l'envie de le faire. Hein, parce que c'est une galère sans nom. Hein. Espèce de malpoli, il dit même pas bonjour, le calice de chum de Chris de tabernac de merde là. C'est un calice. Je t'ai dit bonjour, ça vient, calme-toi. C'est juste que là, je suis en mode pipelette. Parce que c'est un sujet que je connais un petit peu, que je maîtrise un tout petit peu, donc voilà. Je peux me permettre d'en parler un peu, quoi. Et que ça me tient à cœur, aussi, accessoirement. Donc, 2010, le site, ouais. Donc, voilà, c'est pour dire, quoi. Hein. Si vous faites un comparatif... Merde ! De comment ça se faisait en 2010 et comment ça se fait maintenant,
vous aurez pas du tout du tout les mêmes infos. Mais pas du tout. Surtout qu'en 2010, alors je me trompe peut-être, mais 2010 en général, les sites ils étaient quand même relativement statiques. Il y avait très peu de choses animées parce que ça bouffait de la ressource et que c'était très compliqué. Et puis les éléments de la page, ils étaient très très centrés parce qu'on pouvait pas faire. Enfin, c'était très compliqué de les mettre sur les côtés, enfin d'en mettre un peu partout. Donc là aussi, très compliqué. Merde! Oh là 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 là! Parce que ça aussi, quand vous faites un site, vous vous basez de. Enfin, non, tu ne te bases pas sur les ressources que tu utilises. C'est par la suite que tu choisis les ressources que tu auras besoin, mais il faut penser à ça. Quand tu crées le site, tu sais que bah, tu auras besoin de telle ou telle ressource pour que ça soit fluide quand vous le chargez. Donc il y a énormément de choses qui vont aussi évoluer là-dessus. 2010, on n'avait pas les mêmes machines que maintenant. Et je fais n'importe quoi parce que je suis pas concentré. C'est la journée qui veut ça. Ah, peut-être aussi, ouais. Peut-être. C'est vrai qu'il fait beau. Et ça donne la bonne humeur. Quand il y a du soleil comme ça, ça donne envie de jouer. Bah oui. J'essaie de lire en même temps parce que je vois que ça discute pas mal aussi. Sérieusement, c'est chaud à le finir avec toutes les médailles. Ouais, il y a des choses putain, qui sont assez compliquées, mais c'est pas impossible, hein. Pas impossible. Putain, je lirai après parce que là, je sens que je vais me vautrer sinon. Je vais me vautrer sinon. Ok. Alors par contre je sais plus. Ouais non mais je vais pas revenir. De toute façon, tant que j'ai pas tous les pouvoirs, ça sert à rien. Clairement. Alors. Moi je fais un bon. Alors, je pense que t'as oublié un mot. Pour un moment de gloire qu'il prononce mon prénom, gloire à moi, je plaisante. Calmez-vous, calmez-vous. Sacré Gwendoline. D'ailleurs, on n'a toujours pas déterminé ce qu'on faisait demain, hein, lol. Ça va finir en Uno, cette histoire. Un Uno sur PS4. Aïe, aïe. L'erreur. Alors, je veux pas dire d'annerie, mais le Edge a pas pompé sur Hopper. Du coup, la suite pour avoir fait son site. Ah ouais? Est-ce que JDG a fait le sien dans la foulée? Ah peut-être, ouais. Je sais pas. Bah, c'est vrai que Hooper et JDG, ils ont fait leur site quasiment au même moment. C'était très proche. Et Edge, peut-être qu'il a, il a repompé, hein. Ça c'est sûr. Vu qu'il était pas mal en communication avec lui, parce que Hooper il lui a commandé des cartes mod, et d'ailleurs je vais
Il m'en a refilé un il n'y a pas longtemps. Je parle de Hooper. Hein, que Edge avait fait parce qu'il fonctionnait pas. Et ouais. J'ai vu sa manière de travailler. Ça peut faire peur. Ça peut faire très peur. Je crois que j'avais pris en photo d'ailleurs. Tellement ça m'avait fait peur. Écoutez cette musique, sincèrement, vous aimez. Ah oui, non mais les musiques, elles sont énormes. Hein. Elles sont énormes. Ce que je disais, monsieur Rémi Gazet, il avait vraiment fait un bon boulot. Personnellement, le site, c'est clairement super pour les débats à vie section, mais la vieille interface de YouTube, j'ai une certaine no nostalgie. Parce que quand ça partait dans les débats sur la section commentaires de la page de Hooper, c'était culte entre les attaques de masse des trolls. Ah ouais. Ah, je me rappelle pas. J'avoue qu'au début, j'étais pas énormément sur le site du Hooper. Enfin, j'y allais, mais beaucoup moins régulièrement que maintenant, quoi. Je reviens et t'es toujours sur les montagnes bleues. Mais qu'est-ce que tu fous? Avance un peu, bon Dieu. Il est long, ce con de niveau. J'y peux rien. Aïe, aïe, aïe. C'est à partir de là vraiment où t'as un gros pic de difficulté de toute façon. Les montagnes bleues. Le niveau de musique, ça commençait déjà à monter, mais les montagnes bleues, là, tu commences à vraiment être au bout de la difficulté. Alors, le site a permis d'un côté de dégager les trolls vraiment parasites dans un sens, parce que les bons trolls, c'est lol 5 minutes, après ça devient insupportable. Ah oui, t'as le bon et t'as le mauvais troll. Aïe, aïe. Mais bon. Ah, tu as plus ton chien. Ah bah désolé. Ah, c'est vrai que ça fait un gros vide hein, quand tu perds ton animal. On peut dire ce qu'on veut, c'est. Tu t'y attaches. Hein. Ah, on avait discuté tous les deux sur le live du Hopper il y a presque un mois des cartes mode Made in Edge. Ah ouais, bah justement c'était par rapport à ça, parce que j'avais eu justement son carte mode. Je sais plus quand est-ce que Hopper me l'avait renvoyé, ça date maintenant. C'était l'année dernière je crois. Mais ouais franchement c'était abusé. En gros, bon, de toute façon il faudrait que je vous fasse un live sur le carte mode, hein, comment ça se passe de A à Z, parce qu'on me l'avait demandé. Je pense que ça peut être intéressant. Mais en gros, quand vous soudez quelque chose, il y a un flux qui se génère. C'est le flux de soudure. Et ça, normalement, il faut le gratter parce que sinon, ça vous fait un court-circuit. Et ben, quand j'ai eu le carte mode de Monsieur Edge, il y avait du flux de soudure partout. Mais vraiment partout. Donc, déjà, je sais pas comment le jeu il a fait pour fonctionner. Parce que normalement, c'est quasi impossible. Hein. Mais là, c'était dégueulasse, quoi. Vraiment. T'avais les bon les pistes cramées, ça je dis pas, j'en crame pas mal aussi, mais là vraiment il a fait vraiment un truc de gros dégueulasse quoi. Il a dit ça va finir. J'ai dit ça va finir sur un Uno PS4 Gwendoline. Parce que du coup on n'a toujours pas déterminé le jeu pour demain. Et que s'il faut télécharger un gros jeu, ça va être chaud pour moi. Sauf si je le fais la nuit. Donc, faut qu'on se décide, quoi. Si jamais on fait pas du Red Dead ou du RE. On a perdu également au 10 du 59. Ah oui, on l'a perdu. Et on ne saura jamais qui c'est bien triste, le pauvre. Le bon troll, il sait quand s'arrêter et comment ne pas blesser. Bah oui, mais le problème que quand tu es sur Internet... T'as plus tendance à troller et à parfois être méchant, sans le vouloir peut-être. Pour d'autres non, c'est intentionnel, mais bon, c'est vrai que bah, de toute façon quand t'es sur YouTube ou autre site internet, tu sais très bien que tu auras affaire à des trolls ou des mecs qui vont te clasher, ça c'est sûr. Tu ne peux pas plaire à tout le monde de toute façon, mais tu es sûr que sur YouTube tu vas te prendre une mauvaise remarque de toute manière. Donc bon.
les joies d'internet, quoi. Ouais, ouais, bah c'est vrai que vaut mieux prendre son animal à l'espère, hein, clairement. C'est quand même offrir une bonne vie à un animal. Moi je sais que mes deux chats, je les ai pris à la SPA et aujourd'hui je pense qu'ils me remercient, quoi, parce qu'ils sont tellement affectueux maintenant, alors que quand je les ai eus, c'était compliqué. Hein. Enfin, Réglisse encore ça va, mais Zelda c'était très compliqué, je pouvais à peine l'approcher. Si je voulais la caresser, elle se barrait, quoi. Et maintenant c'est elle qui vient sur moi et qui réclame des caresses et tout. Donc pour te dire, oui, quand tu prends un animal à la SPA, il va te remercier, c'est sûr et certain. Et je comprends pas les gens qui abandonnent leurs animaux, mais bon, ça c'est encore un autre débat, tu vois. Enfin bref. Il faut tout pour un monde, hein, comme on dit. Monsieur Desmoines, bien le bonjour. C'est encore long. Ah. C'est encore long. Est-ce que c'est encore long? Est-ce que c'est encore long? Mais il est où? C'est encore long. Essaye de faire ça chez toi. Même chez toi, tu peux pas le faire. Eh oui. Bon, vous savez quoi? J'ai cherché mon verre d'eau, je l'ai oublié. Je reviens de suite. Par où ça passe, hein. Oh la vache. Rayman qui s'impatiente aussi. Oh là là. Très bien, monsieur Desmoines. On a le beau temps, c'est ce que je disais. Ça fait plaisir. Un beau temps pareil, ça donne envie de jouer. J'espère que tu vas bien aussi. Est-ce qu'on va le finir aujourd'hui? Je pense que ça va être compliqué quand même. Hein. Parce qu'il reste quand même pas mal de choses à faire. Donc, ouais, non, je pense pas quand même. Parce qu'il nous reste le monde de la peinture. Il nous reste quoi? Il nous reste le niveau... Enfin, le monde de la nourriture. Et puis après, il faut encore récupérer toutes les cages. Ouais, non, je pense pas que ce sera aujourd'hui. Je ne pense pas. C'est abusé au final. Le Edge, c'était pas qu'ils les vendent. Au final, le souci, c'est qu'ils vendaient des cartes mode chères et qui, en plus, ne fonctionnaient pas. Ouais. Après, c'est vrai que déjà, le fait qu'ils les vendent, ça me chiffonne un peu. Et en plus, ouais, le gars, il fait travail pas ouf. Et en plus... ça marche pas. Donc à partir de là, c'est compliqué quand même. Hein. Je sais pas combien ils les vendaient, mais à mon avis, ça devait être pas 2€, quoi. Parce que surtout qu'un carte mode à faire, ça coûte pas très cher. Hein. On va dire combien ça peut coûter en tout. Le calcul du matos et tout, je pense qu'une vingtaine d'euros et encore ouais, vingtaine d'euros je pense. Ma mère nourrit 4 chats de gouttière, au final c'est eux qui ont adopté ma mère. Ouais, bah oui, après il y a ça aussi, hein. Si l'animal il te sent déjà pas de base, tu pourras rien faire, hein. Je sais que quand je suis allé à la SPA pour Zelda, bon, elle se méfiait, mais elle se laissait quand même caresser, tu vois. Elle sentait que voilà, je voulais pas de mal, et que bah, ça collait plutôt bien, quoi. Et pour le deuxième chat, Réglisse, c'est pareil. Hein. En fait, si tu veux, il était dans un espèce de grand enclos avec plein de chats, et c'est quasiment le seul chat à être dehors.
et dès qu'il nous a vu arriver, en fait, il suivait. Il nous suivait le long du grillage, en miaulant, comme s'il nous appelait, tu vois. Et, aujourd'hui, c'est pareil, lui, il nous remercie, hein, clairement. Je pense que lui, il est vraiment heureux. Hein. D'autant plus que lui, il est, si tu veux tout savoir, il est malade. Il a le sida du chat, donc voilà. Je pense que ça a dû freiner beaucoup de personnes. Enfin, même si l'ASPA était même pas au courant, Loul. Mais je pense que ça aurait rebuté plus d'une personne, quoi. Et en plus de ça, du coup, il est asthmatique. Donc, quasiment tous les deux mois chez le veto, quoi. Mais comme dit, aujourd'hui, il nous en remercie, quoi. Il est vraiment très affectueux avec nous. Hein. Très, très affectueux. Si tu pars de la maison, que tu reviens, il va te suivre, mais comme un petit chien, vraiment. En miaulant, comme s'il t'engueulait, en fait. En mode, qu'est-ce que tu es parti faire? Je suis là. Nourris-moi, humain. Les chats, c'est pas nous qui les adoptons, mais c'est eux qui nous adoptent, contrairement aux chiens. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Ils ont un don pour savoir ça. Les ventes, c'était pas le problème, même si ça râlait un peu à l'époque. Les ventes, ça fonctionne pas, ouais. Oui, bah oui, déjà, oui. S'ils vendent un truc qui marche pas, énorme blague, hein. À la place de Zelda, je me serais méfié, moi aussi. Et on va le prendre à la gorge, lui. Pèse de camp. J'ai que ça qu'à dire. Nourris-moi, esclave. Les chats, c'est un peu ça, quand même. Nourris-moi, humain. Et ben justement, Réglisse, le matin, il a sa petite habitude d'avoir de la pâtée et du lait. Et si tu ne vas pas assez vite à son goût, et ben il vient te chercher en miaulant. En mode, qu'est-ce que tu fais, quoi? J'attends mon pâté et ma lait. Et mon lait, pardon. Hein? Que fais-tu, humain? J'ai pas le temps d'attendre. C'est quoi le sida des chats? C'est grave. Bah en fait, si tu veux, c'est comme le sida humain, en fait. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu es plus faible au niveau immunitaire. Et puis, au niveau de la vie, tu peux mourir plus jeune, quoi. Mais bon, lui, honnêtement, pour l'instant, je vous rassure, il va très très bien, hein, clairement. Il joue comme un petit jeune. Et surtout, au niveau de la santé, ça se passe pas trop mal. Ah merde, il y avait quelque chose en bas. Bon bah tant pis. Ah bah je peux revenir, ça va. Ah non. Ah la blague. Parce que la femelle de ma mère nourrit là est enceinte, mais perd grave les poils sur le bas du dos et la cuisse. Oh, ça c'est peut-être une maladie de peau. Hein. Merde!
Je pense que je peux pas la voir, ouais. Bon, bah tant pis. Mais oui, comme dit, ça joue sur son système immunitaire, je pense. Hein. Mais là, honnêtement, lui, ça va. Il se porte bien. Et puis surtout, il fait 8 kg, si j'ai pas de conneries. Donc, ça va. Il se porte bien, l'animal. Est-ce qu'il y a une cage ici? On ne sait plus. Je fais partie des gens qui n'ont pas de chien ni de chat. J'avais une chienne, une golden. Elle avait une leucémie. J'en ai jamais repris. C'était nénette adoptée, animaliste. Plus jamais. Ah ouais. Bah, avant d'avoir réglé ces Zelda, j'avais un autre chat. C'est pareil. Donc SPA. Et bah, elle avait une autre maladie encore. C'était la pif. Donc ça, c'est beaucoup plus grave. Hein. Elle est bien souvent... Bah, pas bien souvent. Elle est tout le temps mortelle. En fait, je sais plus, ça joue aussi sur le système immunitaire, justement. Ouais, donc là, c'est pareil. On était quasiment toutes les semaines chez le véto. Parce que, bah... Il fallait faire le traitement, suivre comment ça se passait et tout. Et... Bon, malheureusement, elle en est décédée. Hein. Parce que, bah, y a aucun traitement, quoi. Et ça, c'est pareil, je veux dire, t'en as plein qui auraient eu le réflexe de se dire, bah ok, bah je l'abandonne dans ce cas-là. Mais pour moi, c'est juste impensable, en fait. Tu peux pas abandonner quelqu'un parce qu'il est malade. C'est juste pas possible. Et du coup, ouais, elle est décédée peut-être un mois après celle du Hooper, justement. Quasiment au même moment. Mais ça m'a pas empêché quand même de reprendre, tu vois, Zelda et Réglisse. Même si au début, j'avoue que j'étais pas trop chaud. Donc, si ça se trouve, tu vois, Gwendoline, un jour, peut-être, ça va te reprendre, ça va te manquer. Et tu vas te dire, bah, ok, je reprends un petit chien, quoi. C'est pas impossible. Après, chacun réagit différemment. Merde! Désolé pour le petit Réglisse, ça fait toujours quelque chose quand nos petites bêtes souffrent. Ah oui, bah c'est sûr que quand on l'a appris, c'était pas la joie. Mais bon, quand tu vois comment il se porte aujourd'hui, t'as vraiment pas l'impression qu'il est malade. Hein. À part ses petites crises d'asthme par moment, honnêtement, il se porte bien l'animal. Merde, mais je fais nimp. Putain, il y a plein de chemins là, ça commence à être chaud. C'est Mr. Val qui a eu l'idée de la boîte à Moki. Ah ouais? Ah, ça vient de là donc. Ok. Ça pop dans tous les sens, tu sais plus où aller. C'est incroyable. T'entends des bruits de partout. Je veux mes cages, moi. J'essaie de lire le chat, mais c'est compliqué là. Je me fais attaquer de tous les côtés. Est-ce que tu peux mourir, saleté de rocher pourri? Voilà. Ok, donc ici il n'y a rien. Parfait. Voilà, là je suis safe. Alors, humain, concentre-toi. Humain, bout, tu es méchant. Tu es méchant, schlack. Qu'il est méchant.
Ah oui, non, mais c'est clair, tu prends pas un animal juste parce que ça prend comme ça, quoi. Faut que derrière, tu t'en occupes. C'est pas n'importe... C'est pas un objet, quoi, que tu prends, c'est un animal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que depuis un petit moment, maintenant, la tendance, c'est... Ah, j'ai adopté tel ou tel animal à la SPA, tout ça. Et ils le filment sur YouTube. Quoi. Comme si c'était obligatoire de le montrer. Quoi. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est la mode. Même mes cochons d'Inde, je n'adopte plus en animalerie. Maintenant, c'est uniquement élevage que je connais qui fait passer le bien-être avant l'argent. Ah oui. Bah, ça, c'est très bien. Très, très bien. Parce que c'est clair que animalerie, franchement, ça devrait plus exister, vraiment. Quand tu vois le nombre d'animaux qui sont dehors, ça ne devrait plus exister. Le pire, c'est ceux qui les empoisonnent ou qui s'amusent à les traumatiser. Enfin, je comprendrai jamais ça. Ah, mais elle est apparue comme ça, elle, d'accord. Et je fais comment pour y retourner? Merde! Allez, meurs! Allez! Oh, une vie. Et je prends en direct. Ah, si tu savais ce que je voyais dans le domaine rongeur aussi, quand leur animal est malade, les gens préfèrent aller sur des groupes Facebook que d'aller au vétérinaire parce que ça coûte cher. Ah bah oui, bah ça aussi, oui. C'est vrai que... Ça, je comprends pas non plus les gens qui prennent des animaux et qui ne l'emmènent pas direct chez le véto quand il y a un problème, quoi. Qui préfère attendre en disant oh ça va peut-être passer ou c'est pas grave. Bah non, en fait. Plus t'attends et plus t'as de chances que ce soit pire, quoi. Qu'il n'y ait pas de chance de le sauver ou de traiter la chose. Donc voilà. C'est pour ça que Réglisse, dès qu'il y a un problème, ou même Zelda, bah, je l'emmène direct. Même si c'est tout le temps, bah je m'en fous. Après en plus, maintenant t'as des assurances pour les animaux, donc... Pire, tu prends ça et puis voilà, quoi. Pas comme s'il y avait aucune solution. Seulement tout le monde avait du cœur comme toi, je ne comprends absolument pas qu'on puisse abandonner un compagnon de vie. Ben moi non plus, c'est quelque chose qui m'a toujours échappé. Hein. Je comprends pas. Comment tu peux dire, je vais adopter un animal et puis quelques temps après, bah oh, en fait c'est ce chiant ou tu me gaves, bah je t'abandonne. Bah ouais mais non. Essaye de faire ça avec tes gosses et tu verras, ça fera le même effet quoi en fait. C'est... Je sais pas, c'est quelque chose que je comprendrai sûrement jamais. Thanks, Rayman, baby. This super helicopter power is for you. Ah, le super hélicoptère. Durant mes études, j'étais en galère, il y avait une araignée au-dessus de mon lit dans mon minuscule studio. J'ai le réflexe de la tuer, puis je me suis rendu compte qu'on était dans la même galère, elle et moi, et je l'ai laissé vivre.
Elle m'a jamais piqué. Ah ouais, bah écoute. Après, l'araignée, c'est encore un autre délire. Hein. Seule bête que j'aime vraiment pas, mais voilà, j'irai pas non plus. J'irai massacrer, c'est les serpents et les rats. Rats, souris. Et araignées un petit peu, mais sans plus. Voilà, tant qu'ils font pas chier, voilà. Moi, je laisse peinard. Le droit français ne reconnaît que depuis 2015 qu'un animal n'est pas un meuble, mais un être vivant doué de sensibilité. Il faut le temps que ça rentre en tête, ça prendra du temps. Ouais, bah seulement depuis 2015. Ah oui. Putain, c'est incroyable. C'est hallucinant. Ouais, c'est... Après, c'est difficile hein, de faire comprendre ça aux gens, apparemment. Après, t'as aussi le délire de la chasse en ce moment. Hein. Ça aussi, ça fait beaucoup polémique. Hein. Ceux qui veulent complètement interdire la chasse, et puis t'as ceux qui ne veulent pas, bon. Après, la chasse, il faut savoir... comment bien encadrer la chose, quoi. Forcément, il y a des bestioles, si tu les chasses pas, ça devient vite le bordel, quoi. Donc forcément, il faut réguler comme ça, mais tu peux pas chasser n'importe comment et n'importe quoi, surtout. Pas non plus partir dans les extrêmes. Laisse-moi tranquille. Oh là là. Ah, c'est à partir de là que ça devient le festival du merdier. Oh, secours. Oh la vache. Essaye de faire ça chez toi. Même chez toi, tu peux pas le faire. Eh oui, même chez toi. C'est pareil. Là j'essaie de lire en même temps, mais ça commence à être vraiment dur. Mais vas-y. Plus je sais plus, je crois qu'il y a une cage à faire apparaître, mais où ça? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Oh, je suis allé trop vite. Je vais arrêter le débat parce que ça me fait trop mal et c'est frustrant de ne pas pouvoir agir et se sentir impuissant. Ah ouais, bah c'est sûr que quand tu parles comme ça, ça fait mal au cœur, hein, clairement. C'est obligé que ça te touche, hein, obligé. Si tu as un minimum de cœur, forcément ça te touche. Et tu sais que t'auras beau faire ce que tu veux, si le mec il s'en fout, bah il s'en fout. Et il y aura toujours des cons pour en faire. Merde! Mais c'est pas vrai! Oh, ça commence à être dur. C'est à partir de là.
Oui, après, non, mais c'est sûr qu'il y a que les chasseurs sont respectueux. Pas tous, malheureusement, mais tu en as. Et bien souvent, l'image qu'on retient du chasseur, bah, c'est le mauvais. T'as le bon et t'as le mauvais, comme disaient les inconnus, mais c'est vrai que bien souvent, on a l'image du mauvais gars qui fait n'importe quoi avec son flingue et qui tire sur n'importe quoi. Il voit un truc qui bouge, qui tire, hop. Ben voilà, l'inconnu avait tout résumé. Alors que pas du tout, ils sont pas tous comme ça, et heureusement. Heureusement. Le problème, c'est que t'en as tellement qui font de la merde, bah. On a cette image-là. C'est triste. Mais c'est pas. La bouboule qui me casse les roubignoles. Ok. Faudrait commencer à ne pas chasser avec 12 litres de pinard dans le buffet. Ah, c'est compliqué ça. Compliqué. C'est pour mieux viser, voyons. Faut être un poète pour être chasseur. Oh putain, ouais. T'as le bon et t'as le mauvais chasseur. Le mauvais, il voit un truc qui bouge, il tire. Alors que le bon, bon bah, il voit quelque chose qui bouge, il tire, mais bon, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'histoire du loup là qui était chassé, ouais. Ça, c'est abusé ça aussi. Et malheureusement, c'est cette image là du chasseur qu'on va retenir. Merde! Bon, pourquoi j'arrive pas à aller plus loin que ça? Est-ce que je pourrais éviter de perdre toutes mes vies débilement comme ça, là? Ouais, c'est pas prévu, apparemment. Ce n'est pas prévu, donc. Je suis sûr que j'ai oublié, mais des cages à tire-larigot. Merde, je voulais aller en bas. Bon, tant pis, de toute façon. Il va falloir que je revienne dans tous les niveaux, donc. Les chasseurs connaissent très bien les questions de la régulation. De plus, ils mangent la viande des prises. Bah oui, en plus, oui, oui. Du moins, ça, c'est les vrais chasseurs. Dans le sens qu'on donne aux choses, vous savez que les givaros d'Amazonie et d'autres peuplables saluent la proie qu'ils viennent d'abattre, la remerciant pour sa chair. Ah ouais. Je fais pareil en cuisine, sérieux? Bah écoute. Au moins c'est pas de la mauvaise chasse de tuer juste pour dire on a tué aujourd'hui. Merde. Ça peut paraître original, mais disons que j'ai ma propre pratique spirituelle où j'essaie de témoigner de la gratitude pour ce qui est dans mon assiette. Je prends ça avec humilité, surtout que j'ai pas toujours mangé à ma faim. D'accord, oui. Ça explique du coup, ouais. Mais oui, non, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais ouais. Après, voilà. C'est juste que tu es dans le respect, effectivement.
Et c'est très bien. Très très bien. Tout le monde n'est pas dans cette optique là. Clairement pas. Ah ouais, t'as eu un problème avec le premier veto et du coup à cause de ça, t'as pas pu sauver le chien. Oh là là. C'est triste ça aussi. Ça c'est pareil, c'est des vétos qui en ont mais rien à cirer, qui sont juste là pour le pognon. T'en as malheureusement, mais bon. Quand tu tombes sur un bon veto, voilà. Déjà ça rassure l'animal. Puis bah, c'est quand même plus agréable quoi. Ça c'est le genre de truc que tu vois directement hein. Et l'animal il le ressent aussi hein. Ma philo c'est de dire voilà, tout ne nous est pas acquis d'office, même l'eau courante à la maison c'est une espèce de miracle quand on y pense, faut être reconnaissant. Ah bah bien sûr, non, mais bien sûr hein. Il suffit de penser à des pays comme l'Afrique où là t'as pas l'eau courante partout. On peut dire que nous on est quand même bien lotis. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. C'est un truc qui nous paraît banal parce qu'on l'a tous les jours. Mais c'est clair qu'on est bien lotis. Hein. Un truc bidon, on se plaint qu'on a la DSL et tout parce qu'on peut pas faire de live. Mais tout le monde n'a pas internet. Tu vois par exemple, moi c'est pas vital, mais quand tu compares avec ce que tu viens de dire, oui, effectivement. On n'est pas forcément dans l'optique de se contenter de ce qu'on a et d'en être heureux, quoi. Et du coup, toi, ta manière d'être, eh ben, elle fait que tu t'en rends quand même compte et tu remercies de... d'avoir tout ça. Salut Akina. Oh là, qu'est-ce qu'il nous dit? Un chasseur sache son chassé sans son chien faisait sécher les chaussettes de l'archiduchesse sur une bûche sèche. Oh là là. Je le ferai pas plus vite. Hein. Je crois qu'il faut que je me dépêche pour avoir le nuage du haut. Mais reviens. Oh bah j'ai encore bouffé un continu. Ah flûte avec tiens. C'est un bug là. Et je vais vraiment finir par le télécharger celui-là. Je vais l'ajouter dans la soundbox. Mais attendez, c'est un bug là. Avec son super accent. Oh non! Oh, c'est abusé. Bon, ok. Faut que je m'en rappelle. Il y a une cage là. Ok. Oh, oh la vache! Putain, voilà, je lis le chat et je fais nimp. Secours!
Vous voyez, j'adore quand on débat comme ça entre nous. Je trouve positif de parler un peu de tout. Putain, j'arrive même plus à lire en plus. Allez! Connerie de nuage. Attends, je te le lirai après. Mais... Je te lis après, promis. Juste passer ce passage de l'angoisse. Non! Oh, je l'ai eu. Par contre, je vais mourir. Ou pas. Oh là là! In extremis. Merde! Ah bah j'ai loupé le nuage. Merde! J'espère que j'arriverai quand même à avoir les cages nécessaires. Mais c'était in extremis là. Alors. Donc je disais, vous voyez, j'adore quand on débat comme ça entre nous. Je trouve positif de parler d'un peu tout ce qui nous va pas. Ce qui ne va pas, tu veux dire, je pense. Ça nous permet de sortir ça de nous et d'essayer d'évoluer la chose. Mais bien sûr, après oui, c'est clair que les lives, clairement, c'est un moyen de détente. Hein. Détente, de partage. Et c'est pour ça aussi que j'y prends goût. Hein. Moi, franchement, j'adore. Hein. Ça permet vraiment de parler de tout et n'importe quoi. Et puis, bah, de passer un très bon moment. En plus d'avoir un jeu... sur lequel on apprécie. Donc ouais non mais clairement moi j'y prends goût hein, au live. Quand je peux pas live clairement ça me fait chier. Hein. Merde putain mais c'est pas vrai je fais n'importe quoi. J'ai trouvé ton jeu pour demain, Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Eh, tu sais quoi, en plus je l'ai sur la PS4. Mais par contre, Gwendoline, je pense pas qu'elle l'ait. Ça m'étonnerait. Encore que, peut-être. Parce qu'il était gratuit pendant un moment. Et je crois que je l'ai pas fait sur PS4. Ah, quoique, si, j'ai des conneries, j'ai peut-être fait, tiens. Parce qu'il était aussi... Oula, sur PC, mais je sais plus sur lequel j'ai fait. Si c'est sur le PC ou la PS4. Je crois que c'était sur PS4. Mais non, mais il a pas sauté. Oh. Sérieux, ça t'a pas plu le Oddworld? Ah bon. Ah franchement c'est un jeu, moi j'ai adoré. Hein. Je trouvais super. Ah par contre il est extrêmement dur. Hein. Je sais pas comment il a fait le 100%. Parce que pour tous les trouver... bonjour. Au fait, du coup, tu sais, pour les manettes PC Engine et N64, leur changer... Ah oui, du coup, bah, il faut un adaptateur, hein, de ce que j'ai vu. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé pour le faire. À mon avis, il va falloir l'acheter. Hein. À mon avis... Surtout que PC Engine, de ce que j'ai vu, c'est vraiment une prise très très bizarre. Oh allez. Oh là là. Ah merde, on est au bout. Putain. Ah, ces ennemis sont vraiment relous. Vraiment relous. Je suis pas venu que pour ça, rassurez-moi. Je suis pas venu que pour un vieux bonus. Ah si.
Ah si si, apparemment je suis venu pour un vieux bonus. Super. Eh ben je suis content, tiens. Oh là. Oh là. Bah ouais. Bah y'a rien ici. Le vieux piège fourbe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais. Demain on devait être en live ensemble, mais vu qu'on n'arrive pas à se décider, ça va se finir sur un live solo à force. Oh là là là. Non mais après mon live, j'irai voir les jeux que j'ai sur la PS4, puis j'essaierai de t'en proposer. Bon, au pire, on peut faire encore du Red Dead, hein, moi ça me gêne pas trop. Ça ne me gêne pas trop. Mais je sens encore la tragédie, quoi. On va encore faire 5 minutes de live et puis ça va être le bordel. Ou alors tu vas me laisser bosser et puis tu vas manger une pizza ou burger ou je sais pas quoi. Hein? Loul. Il l'a fait en normal parce qu'en difficile c'était comme l'original. Ah ouais, comme l'original. Oh. Non mais original, ceux qui l'ont pas fait vraiment. Vous pouvez essayer, c'est compliqué. Hein. Vraiment, ça s'arrache les cheveux. Tu étais pas trop emballé, bon, d'accord. D'accord. Bah, soit tu trouves une manette proche de l'original, soit tu prends le adaptateur pour le faire passer sur le PC, quoi. L'adaptateur, t'as rien besoin de souder ou de modifier, tu vois. C'est juste un truc que tu branches entre la manette originale et puis le PC, quoi. C'est tout. Ah bah là il faut courir, donc ça c'est bon, je peux pas le faire. Ah bah il est là. Oh, il m'en manque 3. Espèce d'escroc. Ah, oh, je savais qu'il y avait un truc là. Je peux pas revenir, je parie. Ouais, c'est ça. Bande d'escrocs. Merde, putain. Chaque fois, je me trompe de touche. Petit coup de sauvegarde, tiens. Ouais, donc ça, c'est pour revenir, ok. Une petite vie. Alors normalement de l'autre côté, il me semble qu'il y a un nuage. Va falloir que je regarde ça. Non! Espèce de moule à gaufre. Non, mais c'est pas vrai, je refais la même. J'ai glissé, chef. Allez, forcément, ça te fait marrer, Gwendolina. Ah, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Et
Et en plus de ça, il te donne plus d'argent parce que c'est toi l'hôte de la partie. Alors que c'est moi qui bosse. Bravo. C'est pas du bien joué, ça. Mais, enfin! Ok, ensuite. Ça glisse, c'est horrible. Non! Ah mais y a rien en plus. D'accord. Donc je vais bouffer tous mes continus à faire des tests comme ça. D'accord. Quand je le dis, je me rappelais plus du tout. Vraiment, je me rappelle plus du tout. Wesh. Je pense que j'avais enchaîné mais tellement de versions de Rayman 1 et je ne me souviens plus des cages. Ok. Je me suis pas fait toucher je ne sais comment. Ok, donc c'est là en fait qu'il y a quelque chose. Voilà. Il est pas si con ce con. Où est-ce qu'elle est là? Ah, il m'en manque pas tellement, hein. Il m'en manque que deux en fait. Ok. Donc c'est rassurant. Mais. Par contre là, il faudrait que je regagne un petit peu de vie parce que ça sent le décès autrement. Dans l'original, c'était plus sombre et sale. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Celui-ci était assez coloré. Mais ils avaient quand même bien bossé dessus. Sur le remake. Et là, le dernier, j'ai pas trop regardé de choses dessus. Parce que je pense que je me le ferai. Mais ouais, il a l'air quand même pas mal aussi, hein. Il a l'air pas mal. Oh là là! Non! Oh putain, il a repop, t'es sérieux là? Mais. Quoi? Mais la blague, il me repop dessus carrément. Non mais sérieux quoi. Est-ce que tu te foutrais pas un tout petit peu de ma gueule? Ah oui, d'accord, j'ai glissé, chef. Eh ben, on n'est pas au bout. Hein. Tu vas te chercher un café. Bah t'as bien raison parce que là, à mon avis, ça va être compliqué. Putain, j'hallucine quoi. La bouboule qui te repop dessus. Mais non, pourquoi je vais là? C'est un piège à con. Mais... il pourrait te donner de la vie. Hein. Nous sommes dans les montagnes bleues. Il y a plein de vie dans les montagnes. Bon, est-ce
qu'on pourrait finir ce niveau de l'angoisse, s'il vous plaît. Oh non! Merde! Je voulais passer par-dessus. Oh, putain. Mais ça fait combien de temps qu'on est dans les montagnes, là? Comment ça me lourdait, ce niveau? Tu as acheté Retro Gamer numéro 19 et 25. Ah, et d'ailleurs, je crois que tu les postes régulièrement sur le forum, si je me rappelle bien. Faut que je regarde en détail. La neige était plutôt bien faite. L'air de rien. Bah, carrément. Hein. Mais de toute façon, tout ce qui touche au visuel du jeu, franchement, c'est du bien joué. Hein. Visuel, OST, tout était bon. Tout était déjà bon. Et d'ailleurs, je crois que la neige, elle n'était pas justement sur la version PS1. Si je me rappelle bien. Ça n'y était pas. Ça, monsieur Bacossin, il doit s'en rappeler, je pense. Attends. Ok, j'ai réussi à passer par-dessus, c'est parfait. Il n'y a rien non plus, d'accord, bon. Ok. Oh fuck. Ah, le boss, merde. Sur plusieurs plans. Ah oui, elle est sur plusieurs plans, ouais. C'est vrai que même en profondeur, il y en avait un petit peu. J'ai pas fait attention, c'était quoi la question? Est-ce qu'il y avait de la neige sur le niveau qu'on vient de terminer en version PS1? Parce que sur PC, donc là forcément il y en a, puisque on vient de le voir, mais sur PS1 j'ai un doute. Merde! À mourir ici quand même. Secours. Oh. Hey, je vais me faire avoir par tous les vieux pièges à deux balles. Quoi. Il me semble que si on a un bon timing, on peut lui renvoyer deux fois la bouboule. Merde. Apparemment, je l'ai pas du tout. Oh là là. Merde. Oh. Putain, je suis bouffé de tous mes continuums, c'est pas vrai. Mais... Une génération qui consomme sans réfléchir et qui vote pour qui on lui dit de voter. Ouais, c'est un peu ça. Beaucoup de moutons. Merde.
quand on dit quelque chose est mal, tout de suite il... Merde. Tout de suite il s'offusque. Te semble pas non plus, d'accord. Ah, il me semble vraiment que la neige c'était vraiment dédié à la version PC. Sur PS1 t'avais juste la merde, la neige sur le sol, mais c'est tout. Il y avait pas la neige en arrière-plan, il me semble pas. Sûrement que la PS1 pouvait pas gérer ça en plus du restant du niveau. Séparé. Oh, le doublé en plus. Putain, je vais essayer de me concentrer là. Je lirai après le chaton. Parce que là, ça va. Je suis en train de perdre toutes mes vies sur un vieux boss à deux balles. Il est seulement à la moitié de sa vie. Oh là là. Non. Oh là là. Quoi? Mais enfin. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai de mille saveurs. Ah oui, ça parle de Jules sur le chat, ça peut faire peur. C'est vrai qu'il pourrait faire peur, ce Joule. De toute façon, musicalement, hein, clairement, j'écoute très peu de musique récente parce que ça me gave. Les Ayana Kamura ou je sais pas quoi, là, Joule et compagnie, merci. La joue Rakai de Shanghai, non merci. Je sens que j'ai encore me faire des potes en disant ça. Loul. Pareil, tout ce qui est Vianney, comment elle s'appelle, Angèle et compagnie, merci mais non merci quoi. Hein. Je ne vous écoute pas parce que sinon on n'en sort pas quoi. Comme a dit un grand monsieur. Et je fonce dessus.
Je parle plus parce que là je suis vraiment concentré. Il va. Mais non, fais pas ça. Parce qu'il va bientôt mourir cet enfoiros. Oh là. Allez, c'est bon, là il est mort. Excellent. Le nouveau glitch pour aller au Mexique dans Red Dead. Ah non, j'ai pas vu, tiens. Ah ça, j'ai pas vu du tout. Pink Floyd. On te sort que Pink Floyd c'est de la merde. Ah bah je sais pas qui dit ça, mais secours. Je pense qu'on n'écoute pas la même chose, hein, clairement. Monster Hunter Rise. C'est le nouveau qui vient de sortir sur Switch, Solaris. Alors j'avoue que j'ai fait aucun Monster Hunter et que c'est pas forcément le genre de jeu que je joue. Mais j'avoue que le dernier, là, il a l'air pas mal, hein, mine de rien. Il a l'air pas mal du tout. Donc peut-être que je me le prendrai puis je ferai des lives dessus, ouais. Vous savez pas, Gamer Oldies a cartonné le dernier CD de Jul, RPG Quartier Nord Quest, jeu à saisir, stratégie quand même. Assez stratégie, pardon. Je viens du quartier ouest. Je pense que tu mets ça dans la console elle grille direct. Hein. Salut Vortex. Merde. Bon, je vais juste me refoutre de la flotte dans le verre parce que j'ai tout bu. Je reviens. Attends, la version complète. Ah oui, ouais, c'est pas con. Effectivement, s'il y a une version complète à attendre, je vais peut-être attendre alors. Parce que c'est vrai que ça pourrait m'intéresser quand même, hein, ce jeu-là. Il avait pas l'air si dégueu que ça. Hein. Après, ce qui risque d'être dégueu, c'est le live, loul. Si jamais je le fais en... avec la connexion là. Donc à voir. À voir, à voir. C'est DG qui expliquait ça. Il faisait une soirée avec son cousin et les potes de son cousin. Il disait que c'est de la merde. Tant pis que Floyd remet Ayana. Sérieux. Ah, y a qu'une chose à dire, hein. C'est la porte, c'est par là ou la corde elle est là, quoi. Dire que Pink Floyd c'est de la merde. Secours. Secours. Au niveau de la peinture, l'angoisse. Ouais. Ouais. Je sens qu'on va galérer.
Bon. C'est parti pour la galère. Je vais tout de suite récupérer. Non, mais reviens là. Reviens par là, espèce de sapajou. Ah là, en plus ça fait apparaître des choses. Eh oui. Non. On pourrait le faire en coop aussi, vu que perso j'ai pas de carte capture quand la version complète sera sortie. Eh bah pourquoi pas, oui, avec plaisir. S'ils sortent une version complète. Pour une fois que la Switch elle va servir. Je plaisante, calmez-vous. Tout va bien. Non, la dernière fois que j'ai utilisé la Switch, c'était pour quel jeu, dis donc? Eh ben c'était pour la compilation des Mario, tiens. Mario 3D All-Star. Quand j'ai refait Mario Sunshine, et oui, et Mario Galaxy. Est-ce qu'il y a une cache qui est apparue? Ou pas du tout? Non. Ok. Télécharger le navigateur Adblock, c'est pas mal. Putain. C'est pas mal. Alors attends, j'en étais où? Où es-tu? C'est pas mal, les zéro pubs par défaut, en particulier sur smartphone. Un peu plus de voir ces pubs insupportables sur YouTube 3 fois par jour. Ah oui, alors ça, faudrait que je regarde, tiens. Parce que sur, c'est vrai que sur smartphone, c'est insupportable. Tu te tapes, mais toutes les pubs. Et ils y vont. Hein. Tu peux en avoir 3-4 comme ça, tranquille. Ça les gêne pas. Ah, te veux là, toi? Allez, viens, monte. Viens. Tu viens dire bonjour au chat? Ah ben oui, quand même, il faut être poli dans la vie. Hein? Il est tout rond ce chien, mais oui. Oh là 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 là. Oh là là là. Alors, j'aime bien cette track dans ce stage. Ah oui, mais oui, ça passe tellement bien. C'est calme, alors que le niveau n'est pas spécialement calme. Hein. Il y a plein d'ennemis de partout. Mais ouais, je sais pas, ça fait un petit peu féerique comme ça. Ça passe bien. Très relaxant. Les anneaux roses dans les nuages et les gommes de crayon. Eh oui. Alors les anneaux roses, hein, c'est des lumes violets, si je me rappelle bien. Merde, faut que je cours. Ah merde! Oh lo 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 lo. Salut Fischer. Mais c'est vrai que quand tu penses, hein, sur smartphone, ils abusent. Hein. Franchement, ils te lancent des pubs, mais à tire l'arigot. Parce qu'ils savent que tu peux pas installer
le plugin Adblock et les autres. Donc bah let's go quoi. Il se rattrape de ça. Vu que sur ordinateur, je pense que quasiment tout le monde maintenant a Adblock. Ou alors, t'en as très peu qui se disent bon, bah, je vais regarder la pub pour soutenir le bordel, mais bon. À mon avis, ils doivent plus être beaucoup, parce que vu le nombre de pubs qu'ils ont. Qui t'infligent pendant les vidéos, secours quoi. Au début, c'était genre 2-3, mais maintenant. T'en as une toutes les 5 minutes. Donc, quand tu regardes un live de Hooper, par exemple, bah, c'est juste intenable quoi. T'es coupé tout le temps dans ton délire. Alors, t'as fait Rayman 2 sur N64 avec les pirates. Très sympa. Ah bah oui, le Rayman 2, ouais, je l'ai torché aussi beaucoup de fois. Hein. Mais c'était pas sur la 64, c'était sur la version PC qui est plus complète que la 64, justement. Et ah, celui-là, bah, franchement, c'est... Celui-ci, avec le Rayman 1, c'est vraiment le jeu que j'ai le plus fait sur PC. Vraiment. Parce que sur PC, j'avais pas énormément de jeux. Et je crois que ceux-là, je les ai mais retournés dans tous les sens. Limite, je jouais qu'à ça. Des fois, je finissais le 1, j'enchaînais le 2, enfin... Ou je finissais le 1 et je le recommençais, enfin, c'était que ça, quoi. Et celui-là, le 2, là, j'ai vraiment envie de le refaire bah, en live, justement. Mais il faut que je regarde si en qualité, ça passe, quoi. J'ai peur que ce soit un peu dégueu... On a des ADSL comme ça. À voir. Mais c'est sûr que je le referai. Hein. Ça, c'est clair. Et la version PC. Aucune autre. Celle-ci ou rien du tout. Oh oui, j'ai eu la vie. C'était beau. Par contre... Ah, ça me fait peur là, ces sons d'apparition. Est-ce que j'ai tout eu? Pas sûr. Salut Obélix, la forme. Fait plaisir de te voir ici. D'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir se voir ce week-end parce que ça commence à être tendu ces conneries là. Avec ce corona tout moisi là. J'espère qu'ils vont pas nous reconfiner. Hein. Obligé de faire une révolte sinon je ne me reconfinerai pas. Sérieux, t'es malade, t'as quoi? Me dis pas que t'as chopé le corona. Non. Sa hitbox à lui concrètement. Je me rappelle qu'ici les cages étaient bien planquées par contre. Hein. Alors pour les retrouver, ça va pas être simple.
T'as une angine. Ah merde. Bon bah, soigne-toi bien. Que tu sois en forme pour ce week-end. Au pire, tu te fais un bon grog, ça va passer, t'inquiète pas. Avec ça, plus de microbes. Ok. Bah, y a rien qui est apparu. Pourquoi y a eu le son? C'est à cause de l'ennemi encore? Attends. Là, il y a une vie. Ok. Par contre, on n'a pas eu de cache, ça m'inquiète. Est-ce que c'est revenu? Ah, c'est revenu. Ok, donc c'est rien les gars, c'est OBS qui a complètement planté. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ouais, c'est revenu. Ok, super. Ah, j'ai qu'une chose à dire sur OBS. Alors, attendez, faut que je retrouve. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Alors, il y a celui-là. C'est de la merde. Voilà. Et surtout, c'est chiant, vraiment. Oh. Eh oui, c'est chiant. Ah oui. OBS, c'est de la merde. Bon, en tout cas, c'est revenu, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est nul. Quand c'est pas YouTube, c'est OBS, quoi. Ouais, ça je m'en doutais un petit peu, tiens. Mais. Alors par contre. Ok, ici c'est bloqué. Ça me paraît bizarre, comment il veut que j'aille là-haut? Ah, c'est pas possible. Non! Mais non! 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 Eh merde! Ok, c'est bon. Ok, donc là c'est good. Mais. Oh, ça pas joue. En plus, il partait. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok, c'est bon, on va speedrun ça vite fait, bien fait. Non! Allez, agrandis-moi. Mais je le fais exprès ou comment ça se passe? Ok. Ah
Alors je sais pas de qui vous parlez, mais apparemment il y a quelqu'un qui insulte. Ah, chez DG, ok. Donc le mec il insulte tout le monde. Ah ouais. C'est sympa ça. C'est sympathique. Je suis pas venu pour souffrir, ok. Dans ce jeu, c'est que tu entends beaucoup de sons, mais tu sais jamais où est-ce que ça pop. Bon, celle-là, du coup, mais ah, tu peux tellement chercher des choses pendant longtemps. Ah, oui, et puis ils ont fait apparaître des gros yeux. Oh là là. Rapetisse-moi. Voilà. Comment je vais faire ça, moi? Ouais, parfait. Oh. Vache. Alors là, on est clairement passé à une difficulté au-dessus. Hein. C'est plus les premiers niveaux, là. On n'est plus au niveau de la forêt. Ah oui, alors faut que je fasse descendre la bouboule. Voilà, pas comme ça donc. Voilà. Fastoche ce jeu. Ah oui, les doigts dans le nez. Là, je joue avec mes deux mains, mais je crois que je joue avec une seule tellement c'est facile. Parce que là, je m'ennuie presque en fait. Oh non, ça c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh. Non. C'est passé, je sais pas comment, mais très bien. Il y avait une vie. Oh. Ouais, bah, j'y retourne pas. Hein. Je n'y retourne pas. Bon, là, on va quand même essayer de gagner un continu parce qu'on est un petit peu à la dèche. Tout petit peu. Hooper, attends, c'est quoi? Edge avait allumé Hooper en disant qu'il insultait ses abonnés. Quoi? Sérieux? Après, Edge, il avait mis un message il n'y a pas longtemps aussi sur le forum du Hooper, je crois. Il me semble. J'ai l'impression que le mec, il est en front avec tout le monde, en fait. Dès qu'il commence à parler avec quelqu'un, il se le met à dos. Donc, bon. À un moment, quand t'as tout le monde contre toi, le problème, j'ai envie de dire, il vient peut-être pas des autres, en fait. Hein? À un moment. Si le mec, il se remet pas en question, on peut plus rien pour lui. Dites aux parents d'en faire un autre. Merde. Oh bah y a rien en haut en fait. Le piège à con. Putain, ça pop dans tous les sens. Faut vraiment tout fouiller. Ah, c'est pour une vie, parfait. Eh, mais faut que je me rapetisse. Faut que je me rapetisse encore une fois. Non. Oh, fallait aller là-haut pour se rapetisse. C'est... Oh non. Non, 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 non. Eh ben, je passe en mode bourrage. Hein.
c'est pas une hallucination, à un moment faut se remettre en question quand il te dit Edge que les gens se comportent mal avec lui. Ouais, bah non mais... Je suis désolé mais à chaque fois que j'entends parler de Monsieur Edge quand même c'est dans les mauvais termes donc... À un moment... le problème c'est pas les autres. Hein. Hooper il en parlait en mauvais termes. Peut-être pas en mauvais termes mais voilà il va pas dire non plus que c'est le meilleur gars au monde. Hein. Loul. Maintenant vous en parlez comme ça aussi. J'avais encore un autre ami sur un autre forum et d'ailleurs plusieurs autres personnes de ce même forum qui en parlaient mal. Donc à un moment, c'est le problème, c'est le mec. Quoi. Désolé. Il arrive aussi que tout le monde autour de toi ait tort ou soit influencé par quelqu'un qui est jaloux de toi. Ouais, ça arrive, mais là vraiment, c'est quand même compliqué de croire ça pour Monsieur Edge. Hein. Pas être méchant, mais bon. Là, je pense pas qu'il y ait matière à être jaloux. Enfin, bref. Ah, mais la vie, là, elle a repop, donc. Ok. Ou je l'avais pas pris, je sais pas. On ne sait plus. C'est dommage parce que Edge c'est le premier que j'ai découvert sur les vidéos test réellement la période 2009-2010. Ah ouais, donc il faisait des vidéos à ce moment là lui, d'accord. Je savais même pas. Chacun a ses défauts. Je veux dire Edge quand même à chaque fois c'est des embrouilles, des menaces. Ouais bon après... Quand on arrive à là, quand même, c'est grave. Hein. Je veux dire, tu peux déconner et tout, mais de là à menacer ou insulter les gens, sans raison en plus, j'imagine. C'est un peu tendu, quoi. Si le mec, il sait pas bien se comporter... plus rien pour lui hein. Merde, pourquoi j'ai sauté? Eh hey, mais en fait y a rien du tout. D'accord, fallait le dire. Mais genre il m'a touché. C'est le queue de la queue de la poêle qui m'a touché. Oh et je reviens du début, mais non. Mais satanerie. C'est pas vrai ça. Pas pris. Comment ça, pas pris? Je veux dire pas vu, pas pris, c'est ça. La bonne excuse, pas vu, pas pris. Je le connais pas, mais faut pas oublier qu'il a une vie à côté. On ne sait pas ce qui se passe à côté. Ouais, mais bon, de là se répercuter sur les autres sur YouTube, c'est compliqué, quoi. En général, quand t'as des problèmes dans la vie, tu vas pas insulter des gens sur YouTube sans raison, quoi. À moins que ce soit ta passion, bon là c'est un autre délire, mais bon. Ma passion dans la vie, c'est être hater sur YouTube. Et toi, tu fais quoi? Tant de problèmes évoqués entre des gens qui font des vidéos qui parlent de jeux vidéo, ça rend fou internet.
On va devenir tous comme ça, les gars, attention. Ça pourrait faire peur. On sera tous internés, ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Merde. Mais non, mais... Ok, alors là, je suis sûr qu'il y a quelque chose en haut des crayons. C'est peut-être un fragile sur le principe. C'est plus simple le virtuel. Ah, peut-être, hein. Ouais, peut-être que le fait d'être sur YouTube, ça a fait pousser des ailes, hein. Qui sait. Peut-être... Hein. C'est bon, il n'y a plus de cage, non? Bon. Ok, ok. Oh non, c'est Space Mama. Oh non. Oh non, il est horrible ce boss. Ah, je me souviens, lui, en bourrant, ça passait au bout d'un moment, lol. Oh non! Il y a des gens, c'est leur métier, hater sur YouTube. Un bien beau métier, donc. J'aime déverser ma haine sur YouTube. C'est tellement enrichissant. M'a touché. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. La 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 la. En vrai, je suis calme, mais en virtuel, je peux rien faire. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, en vrai, je le calme, mais en virtuel, je peux rien faire. Oui, d'accord, ouais. Ah oui, bah là, en vrai, je pense que tu le fracasses, mais en deux. Je pense. Effectivement. Putain, mais quel boss de merde! Mais genre, mais enfin! J'ai bouffé tous mes continus. Secours. Il y a un youtubeur en particulier que je peux pas saquer. Chaque fois que je le vois, je me dis qu'il est con celui-là aussi. Or, sa chaîne, je crois, Gamer Olis, un truc du genre. Alors, qu'est-ce que je vais te répondre? Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks, ici. C'est quoi, le truc, là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? C'est vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Voilà. J'ai que ça qu'à dire. J'ai que ça qu'à dire, monsieur Demoen. Espèce de con. Aïe, 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 aïe. Enfin, là, il se marre, le démo, mais il faisait moins le Firo quand même, hein, dans Que gagne des millions. Ce qui nous a donné une réponse qui était complètement foireuse. Hein. Je tiens à le préciser.
C'est genre qu'il était totalement sûr alors que c'était pas du tout ça. Il nous a fait perdre le pognon, l'enfoiros. Ok, bon. Après, faut pas dire que c'est nul ou quoi, y'a des gens qui kiffent, d'autres non. Ah oui, non mais bien sûr, après chacun ses goûts, hein. Effectivement. Chacun ses goûts. Et heureusement, hein. Sinon on serait tous des moutons à suivre la même chose. Donc, heureusement qu'il y a des diversités, hein. Reste deux. Quoi? Mais non! C'est pas vrai. Ah, je me rappelais de ce boss aussi. Hein. Secours! Une erreur pour me mettre à votre hauteur pour pas vous intimider. Mais bien sûr! Et la marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier alu. On ne me la fait pas, maître des moines. Mais non! Allez là! C'est pas le type qui vend des cartes mottes à 600 balles, le Gamerol. C'est quoi Gamerol Shit 59? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte, le 180 techno là? Il est bourré. Et dans Fahrenheit, il galérait. Ah, c'est vrai qu'il galérait un petit peu. Hein. Après, je peux pas lui jeter la pierre parce que j'ai jamais fait le jeu donc. À mon avis, je galérais autant que lui. Ça, là-dessus, faut être honnête. Il s'en est plutôt bien sorti, l'animal. On va quand même être gentil avec lui, sinon il va se désabonner. Bah oui. Ce serait une erreur. Eh oui. Quoi? Je l'ai pas eu? Mais à chaque fois je me bouffe son vieux truc là. Non! Oh mais quel boss de merde hein. Ah, petit coup d'eau. RE, ah oui, 0, RE 0, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Bon, RE 0, c'est pareil, j'avais galéré. Hein. Surtout sur le boss de fin, je crois. Wow. Prends ça, fumier. Ah.
Allez, faut mourir là. Parfait. Je vais te first try ça, moi, tu vas voir. On va le first try. Allez, vas-y, tire-les tes machins, là. Tes vieilles dagues. Allez. J'ai pas le temps d'attendre, moi. Hein. Je suis un vieux monsieur, c'est fini. Là, je me mets comme ça, ok. Mais où est le problème donc? Pourquoi je suis mort? Hein? Allez, allez, allez. Tire, voilà. Annie accusée de racisme contre les Nordiques. Buveur de bière. Ah, tu parles de Annie Cordy. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, ça devient vraiment n'importe quoi, hein. Vraiment. On crée vraiment racisme pour un... Oui, pour un nom, c'est... insupportable. Bon, bah, first try. Le first try. Oui, je veux sauvegarder. Tout à fait. Ah tiens, Demo, vu que t'es sur le chat, je sais pas si tu as vu, mais je t'ai parlé du coup de la vidéo, tu sais, donc qui était plus ou moins bloquée. Et en fait, tu peux télécharger la vidéo même si elle est bloquée. Donc tu sauras pour la prochaine si jamais tu en as une autre de bloquée. Hein. Tu peux la télécharger sans avoir fait de modif. Comme ça, t'as au moins une trace de ce que tu as fait en entier, quoi, en intégralité. Là, c'est ce que j'ai fait pour Hercule, du coup. Il y a juste un moment où j'avais coupé la piste audio, mais c'est pas grave, quoi. Au moins je l'ai en entier, quoi. D'ailleurs, je sais pas si ils m'ont réglé le problème de la vidéo. Tiens, j'ai regardé. Alors, est-ce qu'ils ont remis la vidéo d'Hercule ou est-ce qu'elle est encore bloquée? Alors, dépêche-toi. Ah, c'est toujours en cours de vérification. Bon, c'est toujours en cours de vérification. Elles sont pas bien rapides, hein, pour vérifier ça.
Télécharger comment? Avec quel outil? Moi, ça ne fonctionnait pas avec mon extracteur. Alors, non, je suis pas passé par un extracteur, je suis passé par YouTube direct. En fait, tu as une option qui te permet de télécharger la vidéo en MP4. Il faudra que je t'envoie un screen sur comment faire. Et voilà, comme ça, tu sauras que bah, si tu as une vidéo bloquée, tu peux quand même la télécharger, quoi. Elle y est pas ta vidéo Hercule, ouais bah ouais, j'ai vu c'est encore bloqué hein. Ils sont en cours de vérification, je sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'ils doivent faire un tennis, c'est pas possible. Par contre. Pas par où passer. Beaucoup trop de chemin là, ça va pas ça. Mais quel talent. Merde. Ah oui, donc en fait, c'est par là-haut qu'il faut vraiment aller, d'accord. Bon. Où est-ce que j'en suis dans le jeu? Eh ben, là, c'est. Merde, c'est quasiment les derniers niveaux. Mais après, il faudra qu'on retourne dans les premiers niveaux pour récupérer toutes les caches qui nous manquent. Ça va être long, je le sens. Ça va être très très long, je le sens. Alors, débloquer prend 30 minutes max. Si ce n'est pas fait, c'est parce que tu as voulu passer outre le système de nettoyage de YouTube. Donc YouTube bloque le truc. Sérieux? Oh là là là. Et du coup, tu fais comment quand c'est comme ça? Parce que oui, j'ai voulu... en fait... J'ai voulu garder la partie, mais je l'ai simplement flouté. Comme ça, on voit plus l'image en question, et puis voilà quoi. Vu que c'était genre même pas 2 minutes, juste le temps de la chanson quoi. Il te reste pas beaucoup de médailles à pécho du coup. Oh, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a vraiment pas mal encore. Je pourrais pas dire un nombre exact, mais je sais même pas si on a la moitié. Je suis pas sûr de ça. C'est pas comme ça qu'on dit. On dit c'est encore long. C'est encore long. J'ai pas le temps d'attendre moi. Hein. Je suis un vieux monsieur. C'est fini. Voilà. Ça sent la tragédie ce truc là quand même. Ok. Putain. Crois-le ou non, YouTube n'a aucune confiance en son jugement et la musique est aussi en question, donc flouter ne suffit pas. Mais la musique, elle est déjà virée. L'audio est déjà viré. C'est pour ça que j'ai flouté. Mais oui, du coup, si... S'il bloque encore, bah tant pis, enfin, je la réupload en enlevant la partie là, quoi. Parce que de toute façon, là, j'ai déjà perdu le chat, j'ai coupé une partie de la vidéo, donc...
Enfin, de l'audio, du moins. Donc, bon, si je la re-upload, ce sera pareil, quoi. Mais bon, c'est quand même un beau bordel, hein. Faut pas se le cacher. Tout ça pour 2 minutes de musique. Et d'une musique d'il y a 20 ans, donc bon. Un petit peu du foutage de gueule, hein. Mais. Quelle est cette diablerie? Ouais. Et je remonte comment? Je suis quand même pas obligé de me suicider là. Quoi ce délire? Ah ouais, d'accord. Qu'il arrive à remonter comme ça. Ok. D'accord. Oh là là. Merde. Est-ce qu'on a eu un checkpoint? Ah oui. Il fallait que je monte sur le taille crayon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah tiens, E180, tu me demandais si j'avais fait Rayman 2, mais est-ce que tu l'avais fait toi? À 100%. D'ailleurs, à choisir entre le 1 et le 2, je pense que je préfère le 2 quand même. Avec les robots pirates et tout. Ah, franchement, j'avais adoré. Ça va être une tragédie. Ouais. Une bien bonne tragédie. Oh, je me suis bloqué? Non. Ah non. Ça, ils avaient bien prévu le coup. Est-ce que le 100% est-il si important que ça? Eh ben, si tu veux battre le boss de fin, oui. Si tu récupères pas toutes les cages, enfin du moins les protons, non, les électrons, pardon. C'est les électrons, voilà. Et bah tu vois pas le boss de fin. Donc du coup, oui, c'est important. Allez. Ah, dans les jeux vidéo en général, bah c'est rarement utile, hein. Quand tu y réfléchis, c'est très très rare. La plupart du temps, c'est juste pour dire bah j'ai torché le jeu à 100%, voilà. C'est juste du scoring, quoi. Donc non, je pense pas. Enfin, à mon sens, non. Merde. Rares sont les jeux que je finis à 100% en tout cas.
Je sais pas si sur le chat il y en a beaucoup qui finissent leur jeu à 100%. Tiens. Petite question, voilà. Est-ce que vous finissez les jeux à 100% ou pas? Ah, mais tu te cachais là, toi. Ah, et c'est la première en plus. À mon avis, j'en ai loupé. Est-ce que le chat est du genre à finir le jeu, les jeux à 100%? Ou à faire juste le strict minimum? Merde! Ouais, bizarre. Y'a rien qui a pop. Donc tu fais le jeu juste pour voir le plus important. Enfin, pour finir le plus important. Bah, c'est pareil. Sauf si vraiment le jeu il est génial et là. Là je fais le 100%, mais autrement non. Surtout pour les succès. Alors là, ça c'est un truc vraiment. J'ai envie de dire que je m'en tamponne le coquillard. Merde. Il faudrait faire un Astropole, tiens. Ah, si tu veux. Si tu veux. Si ça t'amuse. Oh non. Tu étais au Walter, mais tu n'as rien loupé parce que je fais que de mourir. Je fais n'importe quoi. Oh, oh la vache. Ça va finir que je vais faire autant de parties que le Hooper au final. Ah si, ce que tu as manqué, c'est je demandais si sur le chat vous finissiez les jeux à 100% ou si vous faisiez juste le nécessaire pour voir la fin et puis basta. Pourquoi ils ont mis un lums violet ici? C'est très bizarre. Ah. Ah oui. C'est vrai qu'il y avait ça. Allez, remonte-moi là, je veux le dernier. La dernière bouboule. Donc il n'y a rien d'autre. Ok, bon. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu as fait comme Stropole? Ah oh, putain, mais c'est pas vrai, c'est... Quel est con celui-là. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare hein, pour ma part. Les derniers jeux que j'ai fait à 100%. Il y avait, alors attends, que je dise pas de conneries, il y avait bah, le Mario Sunshine qui est ressorti sur la compilation, le Sunshine, Mario Galaxy, et puis plus récemment encore,
il y avait, c'était bah, Little Nightmare 2, tiens. Où là, j'ai fait tous les succès et tout et tout et tout. Alors que d'habitude, bah, franchement, je m'en tamponne le coquillard, quoi. Mais là, Little Nightmare 2, il était tellement bon que là, j'ai fait à 100%. Merde. Mais enfin. Plus de non que de oui. Moi j'ai voté oui. Ah, tu fais donc les jeux à 100%. Ok. Little... Putain. Merde. Little Nightmare, c'est quoi comme jeu? Comment on pourrait le qualifier? C'est un peu dans le même style... Enfin, dans le même style, c'est un bien grand mot, mais... C'est dans... Un peu ressemblant à Limbo, si tu veux. Un petit peu dans le... Pas dans l'horreur 100%, mais un peu dans le... Comment... Dans le cauchemardesque, si tu veux... C'est vraiment... vraiment... comment expliquer à la va-vite, mais en gros c'est ça, quoi. Merde. Ah non, c'est pas un MMO, hein. Non, non, du tout. Non, non, non. C'est vraiment de la pure plateforme. Oh! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des chutes de crayons. À l'époque, j'ai fait un Bandicoot à 100%. J'ai galéré, je sais plus lequel. Ah putain, ouais, bah t'as eu du courage. Hein. Parce que Crash Bandicoot à 100%, bonjour l'angoisse. Hein. Là, j'ai refait le... J'ai fait le Crash Bandicoot sur PS4 justement. Les trois premiers. Et ouais, pour le 100%, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Surtout que t'as des niveaux timés, si je me rappelle bien. Donc, bonjour l'angoisse. T'as eu du courage. Va-t'en. Il y a un MMO qui s'appelle Nightmare 2. Sérieux? Ah, d'accord. Ah, je suis pas trop MMO après. Bon, après j'en ai quasiment pas fait. Hein. Seul, je crois que j'avais essayé, c'était WoW. C'était il y a plus de 10 ans, quoi. Et j'y ai pas joué longtemps parce que mon PC de l'époque il arrive même pas à le faire tourner correctement. Donc c'est pour dire l'ampleur du désastre. Après tout ce qui est jeu de commu, de toute façon j'aime beaucoup. Hein. Jeu en coop, tout ça j'aime bien. Hein. Jean Yacine Hotman, sérieusement, t'es chaud pour nous faire Morrowind, s'il te plaît, quitte à faire plusieurs parties, genre une heure, en prenant ton temps. C'est quoi ce jeu? Parce que j'en ai jamais entendu parler. Morrowind? Qu'est-ce que c'est que ça? Soit sur PC, soit sur PS4 ou Xbox classique. Alors, Xbox classique, j'ai pas, mais... Enfin, quoique classique... Attends, classique, la première Xbox, tu veux dire? C'est la première Xbox, si j'ai. Et 360 aussi, j'ai. Bah alors?
Ouais, j'ai vu que faire tourner WoW sans moteur diesel, c'est pas gagné. N'importe quoi. Je sais plus ce que je voulais dire, tiens. Ah oui, j'ai vu que tu étais sur EverQuest en ce moment, que tu demandais pas mal de conseils au Hooper justement. Vu qu'il avait fait pas mal d'heures là-dessus. Mais ouais, j'ai jamais essayé ces jeux-là. Ah oui, il fallait. Oh, putain, il fallait faire le. Enfin, choper toutes les caisses sur Crash Bandicoot. Putain, Hooper, il deviendrait fou avec ça. Ah merde, j'ai plus de batterie dans mon casque pour changer. Pour changer. No. No. Alors. 30 secondes. Alors, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Voilà. Est-ce que j'ai encore le son? Oui. Incroyable. Ça, je me rappelais aussi de ce moment-là. Bien, bien relou avec tous les trucs là qui rebondissent. Oh là là. Secours! Mais laissez-moi tranquille! Voilà! Ah, petit coup d'eau, tiens. Un des meilleurs RPG aventure de l'époque 2001. Morrowind. D'accord. Bon, je regarderai, je promets pas que je jouerai dessus, mais bon. Par curiosité. Ah oui, alors ce moment-là aussi, je m'en souviens, parce que je sais jamais comment passer. Voilà, pas comme ça, apparemment. Oh, mais va te faire. Eh oui, pas comme ça non plus. Ouais, je sais jamais comment passer cet endroit-là. Mais putain, mais comment je suis censé passer? Je ne comprends pas. Et je vais encore mourir. S'il y a des gens qui connaissent bien le jeu et qui savent comment bien passer cet endroit-là, je suis curieux parce que vraiment, je vois pas. Je vois pas du tout comment faire sans me bouffer le crayon, enfin la mine du crayon. Ah si si, Rayman avec sa musique là, il est reposant, mais c'est son gameplay qui est pas reposant du tout. Ça c'est le problème. C'est le problème. Ah mais ok, en fait il fallait pas courir, d'accord. Je m'auto-réponds, hein, c'est bien. Ok, donc il faut pas courir en fait, d'accord. Si
tu cours, c'est la mort. Tu comprends pas ce que je fais? T'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Ah, on va être obligé d'engueuler Michel, tiens. C'est de la faute à Michel. Michel, t'inventes. Mais. Je voudrais repasser dans l'autre sens. Ouais, bon, ok. D'accord. C'est pas grave, hein, de toute façon, enfin, je reviens ici. J'ai pas eu toutes les cages, ça c'est une certitude. Est-ce que je descends ou est-ce que je monte? Non, je vais pas descendre. De toute façon, comme dit, il va falloir que je revienne dans le niveau parce que j'ai vraiment tout oublié au niveau des cages. J'ai fait n'importe quoi. Non? Ah oui, il y a une cage. Ah oui, bah il faut que je descende. Il faut que je descende. D'accord. On va descendre. Ah mais en fait, il m'en manque que deux. Il m'en manque que deux. Ah, mais c'est la bonne nouvelle du jour. Donc on n'est pas si mauvais que ça. C'est presque rassurant. Ok. Oh! Foros! Non! Oh non! Oh non, mais je suis foutu là. Ah oui, je suis foutu. Ah bah oui. Ah non. Oh putain, je suis pas foutu. Cette espèce de gros coup de bol. Ah oui, je reviens là. Ok. Ok. Alors, ne paniquons pas. Ok. Merde. Putain. Oh, par contre, ils sont horribles, ces trucs-là. Voilà. J'ai voulu aller sur le nuage et ça a fait n'importe quoi. Le fun est palpable. Bon, du coup, je peux aller ici. Ah, en plus, la cage, elle pop vraiment au dernier moment, quoi. Bon, et on est bon, là. Il ne manque qu'une cage. Je pourrais le faire. Ça me fait peur, hein, ce nuage. Non, satanerie. Ah, tu as modifié le titre. Attends, t'as modifié quoi? Ah, en général, ouais, ok. Ouais. J'ai l'impression que... Merde, qu'ils dorment tous sur le chat. Ils ronflent tous. Ils en peuvent plus. Merde. Ils sont comme moi, ils sont à bout. Oh là. Eh, je fais comment?
Non, mais c'est abusé, tu vois même pas les nuages. Oh là 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 là. Merde. On ne court pas, on a dit. On ne court pas dans les couloirs. Du coup, je sais pas trop comment avoir la vie, mais bon. Tant pis. Hein. C'est peut-être une connerie ce que je suis en train de faire là. Bon, on va finir ça, ok. Ah, qu'il est con celui-là. Oh. Ah mince, il manque une cage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Je vois pas trop. Enfin, peut-être à la fin. Peut-être que je l'ai loupé à la fin, mais... Sans être sûr, quoi. Ça fait 3. On est ensemble sur le live, ça va. Ça marche, E180, merci d'être passé. Ça fait bien plaisir. C'est moi, tu joues pas exactement comme un PGM jusqu'à présent. Je suppose que tu n'as pas peur des pouces rouges. Tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux. Voilà. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ouais, je vais essayer de choper quelques cages là. Tant qu'à faire. T'aimes bien le Québec, c'est à faire. Hey Rayman, take this magic seed. Rayman, tu es spécial. Alors, c'est sur celui-là, voilà, ok. Alors, celle-là, par contre, je sais pas où j'ai pu l'oublier. Est-ce que c'était parce qu'il me manquait un pouvoir ? Est-ce qu'il manquait un pouvoir ici? Et non, mais plante pas un arbre, du con. Par contre, la musique, il me semble pas que c'était celle-là. Parce que ça correspond pas trop à ce qu'on voit à l'écran. Mais alors, pas du tout. Ah, l'OST elle est un peu bizarre là quand même. Peut-être parce que c'est la version GOG. Hein. Pas impossible. Ah, y'a pas la vie. Oh, c'est abusé. Bon. Est-ce que c'est vers ici que j'ai loupé la cage? Ah bah oui, c'est là.
Ah oui, il y en a 3 en plus. Enfin, 4 même. Ok, 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 ok. Écoute bien la musique, on dirait qu'il y a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est secret, sacré Charlemagne. Ah ouais. Ah c'est vrai. Hein. Est-ce qu'ils se sont inspirés de ça, vraiment? Parce que c'est vrai qu'il y a des airs. Hein. Il y a vraiment des airs. Eh ben que tu le dis, c'est vrai. Hein. Tu te passes la musique dans la tête, ça le fait trop. Qu'est-ce que tu fais, Zelda? Hein? Bah oui, je vois que t'es en train de faire des conneries, là. Ça me plaît pas, ça. Hein? Je fais des bêtises. Qu'est-ce que tu me fais? Il n'y a rien ici. Non! Oh non! Par contre, là, faut vraiment que... Oh non! Game over! Oh non! Oh là 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 là. Ah bah bien joué. Bien joué, bien joué. Eh bah on est bon pour refaire le truc, le niveau. Ah oh, la boulette. La boulette. Je repère toujours les trucs comme ça. Le souci, c'est qu'après, je suis incapable de désentendre les airs auxquels ça me fait penser. Ah ouais. Ah là, t'es bon pour l'entendre une bonne paire de fois. Allez. Hey Raven, take this magic seed. T'as cette voix, quoi. J'en suis spécial. Ouais, on dirait trop la voix de Cartman quand il fait les Jeux Paralympiques. J'en suis spécial. Tu. Allez, on se dépêche. Allez, monsieur le scrolling, là, on n'a pas le temps d'attendre. Pas le temps d'attendre, moi. Hein. Je suis un vieux monsieur, c'est fini. Allez hop. Donc du coup, vous avez répondu quoi? Est-ce que je retrouve le lien là? Hop. Donc il y en a 4. Qui disent qu'ils ne finissent pas les jeux à 100% en général, une pour 8, donc c'est monsieur 180, et qui est con celui-là, et ben je sais que c'est des vrais, non. Pourquoi je poserai la question? Pourquoi? I'm waiting. Ouais.
Bon, en tout cas, ouais. Donc, vous finissez pas à 100% les jeux. C'est vrai que. En fait, ils privilégient pas vraiment le fait de finir les jeux à 100%. Donc, pourquoi tirer finir un jeu à 100% alors que ça change rien, quoi. Merde, à part un vieux succès. Ah, mais j'ai plus de vie non plus. Du coup, j'ai... Oh là là, mais ça va être relou, ça. Oh, mais non, j'ai plus de vie du tout. Oh là 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 là. Faut que j'aille fermer des vies. Ah, c'est Vortex qui a répondu ça. Ah, pour une fois que c'est pas Demoan. T'es sûr? Pourquoi je suis le seul à avoir voté qu'il est con celui-là? Or, il l'a oublié, c'est pour ça. Il a pas l'habitude des mots. Bon bah, va falloir que je cherche des vies, ça va être génial. Le fun va être palpable. J'ai voulu des mots, mais j'ai peur que ça passe mal. Oh là là. Comme si on allait engueuler Gwendoline. Oui. Mais non, je t'engueule juste quand tu... Quand tu manges pendant que moi, je fais tout le boulot. Eh oui, c'est le seul moment. Allez, 10 things à choper. Non! Oh! Ah, ça va être chaud pour les avoir. Oh, quoique, non, c'est bon. C'est tout bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, apparemment, tu as voté. C'était quoi la réponse bateau? Je sais même plus. Qu'il est con celui-là ou je sais plus. Je ne sais même plus. Merde, du coup il m'a remis le truc, mais j'en voulais pas. Rends mes things, espèce d'escroc. Michel Ancel, 1-20. Pas 1-20. Ah oui, il a 1-20. Perfect. Oui, non, mais d'accord, j'ai modifié mon temps, mais je m'en fous. Moi, je veux une vie. Ah, c'est quand même triste que Michel Ancel, il fasse plus de jeu. Hein. Surtout qu'il est pas vieux, l'animal. On attendait son nouveau Rayman, qu'est-ce que ça va être? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on en a pas eu. Hein. Enfin, disons, un qui soit de la gamme du premier, du deuxième ou du troisième. Quoi. Ah, et tu t'es fait avoir, Benjamin. Oui, c'est Mister Demo One qui a sorti sa connerie. Bah oui. C'est Mister Demo One pour changer. Attends, mais j'ai pas gagné de vie. C'est quoi ce bordel là? Putain, je vais être obligé de ramasser des Sims pour avoir des vies. Oh là là. Merde. Ah, j'ai pas eu le temps de voir ton message, t'as supprimé des mots, tiens.
Ah oui, tu peux mettre le Stropole sur notre live, tiens, pour avoir plus de réponses. Permettra de voir si... Merde, les gens font les jeux à 100%. Bon, j'ai pas gagné de vie, donc ça sert à rien que je fasse ce truc-là. Ça sert complètement à rien. Bon, 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 bon... Comment je vais faire mon affaire, moi? Comment je vais faire ça? Je suis un peu dans la mouise. Ah ouf, faut pas que je déconne avec tous ces modos. Eh oui, là il y a du modo, attention, ça déconne pas. Il peut y avoir une vague de haters, c'est bon. Alors on est tous d'accord pour dire s'il y a une chose qui fasse l'humanité depuis toujours, ce sont Métropole pour une vraie démocratie. Quand tu parles, tes vieux trucs là avec les vieux choix. Oh là là. Secours, hein. Secours. Donc non, on fait pas l'unanimité, non, clairement pas. Non, non. Enfin, ça fait l'unanimité pour dire que c'est des vieux choix tout pourris. Ça, oui. Oui, Vortex, j'avais compris, t'inquiète pas. Je me doute que c'est des mots comme d'hab, hein, t'inquiète pas. J'ai l'habitude. Les vies, elles repopent pas, c'est ouf. C'est abusé. Comment je vais faire? Je vais être obligé de récupérer toutes les things possibles, quoi. Secours! Bon, de toute façon, je pense qu'on va faire le niveau là, et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Alors je vois que Demo il a fait un Stropole, mais j'ai peur des choix encore une fois. Non, mais non, mais... Putain de gâchette de merde. C'est trop sensible. Hein. Les gâchettes de la PS4, elles sont beaucoup trop sensibles. C'est insupportable. Alors, que pensez-vous de la performance de Gamer Oldie jusque-là? Oh là là, essaie de faire ça chez toi. Même chez toi, tu peux pas le faire. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Je termine ce stream et je n'en ferai plus avec toi. Le choix est cornélien. Ça manque de... quel skill de malade, ou t'es un beau gosse, ou c'est où pour faire un don? Ah, tu sais pas faire de Stropole. Aïe, aïe, aïe. T'as fait 40 Stropole et t'en as pas assimilé un minimum de technique. C'est une plaisanterie, ça. Moteur, allons-y, il pleut. Oh, merde, tiens, on pourra pas le faire. Bon, allez, je retente un coup. Et puis après, on s'arrête là. Donc vous pouvez déjà déterminer si quelqu'un veut reprendre.
Mais il me semble qu'il y a Django qui live tiens tout à l'heure, en fait, en parlant de ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas Monsieur Django qui live tout à l'heure? Pas impossible ça. Ce Stropole est un partial. Et deux partiales et on fléchit. J'irai voir les votes quand même. Est-ce que je vais réussir à avoir ces cages pour finir sur une bonne note ou pas? Ça me complexe, hein. On passe en mode speedrun. C'est bon, on n'a plus le temps là. Un peu plus et je me le prenais dans la tronche. Alors je suis de nouveau dans une phase où la moindre suggestion de Juju ou Carole m'insupporte. Oh, moi je supporte pas non plus. Et il m'insupporte. Une cage, mais ça me paraît pas beaucoup. Hein. Où est-ce qu'elles sont les autres? Je pense pas que ce soit ici. Si je les ai toutes eues, je pense. Ah, c'est peut-être plutôt ici, ouais. Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Voyons voir. Ah oui, c'est là. C'est là. Voilà. Donc il y a celle-là. Ok. Je sens qu'il y a une cage par ici. Voilà. Parfait. Eh ben, il en manque plus qu'une. Donc, on va éviter de faire le gros margoulin. Pas comme ça.
Voilà, comme ça. Et donc, on va suivre les Sinks. Ok. Oh ! Une vie. Est-ce que tu sers vraiment à quelque chose, toi ? Je sais pas, hein, je me le demande. Oh là 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 là. Putain. J'ai pas le rythme. Voilà, ça y est. Oh là là. C'est compliqué là. Non. Putain. Oh là là là. Ah là, je suis foutu. Ouais, je suis foutu. Ouais, on va retenter. Retentons. Ah, salut Valkaiser. Oh putain, j'ai encore pas. Non. Oh, c'est une cata. C'est insupportable. Oh, je déteste ça. En plus, avec le bon grincement, quoi, en mode chaise de Hooper, c'est génial. Bon, bref. Allez, plus le temps pour ces conneries. Oh. Comment je remonte ? Comment est-ce que je remonte ? J'espère que je vais pouvoir remonter là quand même. Oui, mais non. Comment je vais faire maintenant? Oh, me dis pas qu'il faut que je refasse le niveau quand même. La blague. Peu tendu du slibar hein, ce que je fais là. Pas sûr que ce soit la vraie méthode. Merde. Oh non, c'est pas la vraie méthode ça. Oh là là, je fuis. Putain, j'ai réussi en plus. Ah bah dis donc. Je sais pas comment j'ai fait. Où je vais. Non, c'était là. Punaise. Bon, bah la vie que je viens de gagner, Zobie la mouche, quoi. C'est un petit peu triste, mais bon. Pas comment je vais faire pour les prochains niveaux, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué.
Mais je veux pas te donner de signes, ça, toi. Ok. Oh là là. Ok. Voilà, parfait. La dernière. Et bah, c'est parfait. Comme ça, on finit sur une note positive. Et bah voilà, parfait. Mais non. Oh, les gâchettes de la PS4, j'en peux plus. Ok. C'est good. Oh là là, secours. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le Stropol? Ah, il y a quand même eu deux kills et consul. Donc le deuxième, à mon avis, ça doit être Gwendoline. Aïe aïe aïe. Et sur celui de Monsieur Demowan, qu'est-ce que ça dit? Essaye de faire ça chez toi, même chez toi tu peux pas le faire. Et qu'est-ce qu'il fout ce con? Bah oui, son parent rond. C'est pas le bon Stropol, bah oui. Hein? Ah, monde 1, c'est bien ça. Ouais, le monde 1, je crois qu'il est fini. Je vais vérifier, mais je crois qu'il est fini. Ouais. C'est ça. Il est fini. Donc il reste que le monde de la musique. Enfin, que, entre guillemets. Hein. La montagne bleue. Le monde des images. Et il y aura le dernier monde qui est le monde du gâteau, je crois. Voilà. Voilà, voilà. Ma réponse vis-à-vis de ton Stropol, c'est encore long. Eh oui, c'est encore long. Moi, j'ai pas le temps d'attendre. Hein. Ah, ça fait du bien pour où ça passe. Alors, est-ce que tu pourras me dire à l'occasion si on peut trouver les trois jeux Jex? Dans les jeux PlayStation classiques sur PS4. Alors attends, je vais essayer de regarder, tiens. Depuis l'application, si je peux. Est-ce qu'on recherche? Putain, depuis qu'ils ont fait la mise à jour de l'application, ça devient le bordel. Alors, donc Jex, tu m'as dit. Eh ben, j'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Ouais, pas l'impression. Il y est pas sur le store. Alors, bonne fin de journée à tous. A plus, je vais voir si je trouve la chaîne de Django. Et ben, bonne journée à toi. Et puis attends, si tu veux, on peut te mettre le lien de Django. Enfin, de la chaîne de Django. Si on le retrouve. Où est-ce qu'il est, l'animal? Monsieur Django, où êtes-vous? Django, il est là, tiens. Hop.
Voilà, la chaîne de Monsieur Django. Parfait. Ah oui, non, clairement, les gens ne finissent pas les jeux à 100%, ça c'est clair. C'est clair. Comme dit, parce qu'il n'y a pas d'incitation à les finir à 100%, quoi. Il n'y a aucun... hormis les trophées, quoi. Mais franchement, les trophées, je pense que tout le monde s'en fout. À moins d'être un gros looter ou collectionneur, voilà. Mais autrement, ouais, non. Tout le monde s'en tamponne le coquillard. Bon. Bah écoutez. Hop, je vais fermer ça, voilà. Donc demain, oui, c'est normalement live chez Gwendoline avec elle. Bon, on sait pas encore sur quoi, c'est en discussion, donc on va voir. Et Rayman, je sais pas quand je vais le reprendre, je pense que ça va être courant semaine prochaine. Parce que si jamais je refais un live, que ce soit jeudi, vendredi ou samedi, non samedi je pourrais pas, mais que ce soit jeudi ou vendredi, ce sera pas sur Rayman, parce que je serai pas chez moi. Donc, bah voilà quoi. Donc Rayman ce sera mardi prochain. Et donc, bah, s'il y a un live, ce sera jeudi ou vendredi. Sur ma chaîne. Voilà, donc je vous tiens au courant. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Bye.